Et bonsoir tout le monde, c'est l'heure du live mesdames et messieurs, let's go. On est en live, on est déjà bien sûr le mercredi 25 janvier, il est temps de lancer le petit live, on s'est pas vu encore. Yo, oh non la lumière là-bas. Live nocturne ce soir? Live nocturne. On s'est pas vu de la semaine puisque pas dispo lundi, on était au match de volley. Bon. Le match de volley, comment dire voilà, et on a perdu. Voilà, il faut dire ce qu'il faut dire. On a perdu. Mais bon, c'était quand même cool. On a joué, on a fait ce qu'on a pu, on a perdu. Ça arrive, dans la vie, on peut pas tout gagner, mesdames et messieurs. C'est impossible. Et voilà, mais donc du coup, on a pas live. Et moi, c'est un monsieur JB, bonsoir, monsieur Lance. Mais ce soir... Ça live fort, j'ai pas joué à Fire Emblem depuis le live. J'ai trop envie d'y jouer. Juste envie de game en fait. Juste envie de game à Fire Emblem, faire des batailles. Malheureusement, bon demain on est sur site. Un peu fatigué en plus, je fais pas mal de choses en ce moment. Au taf là, j'ai des grosses journées, plus le sport. Voilà, ce soir on va pas se coucher trop tard, clairement. Mais voilà, on va au moins faire une bataille, puis on verra si elle va vite et tout ou pas. Alors attendez, faut que je mette sur le Discord aussi peut-être là, qu'on est en live là, Every Run. Vive Fire Emblem, voilà, je vais juste mettre ça. Vive Fire Emblem, voilà, bam, bam. Hop, je mets ça sur Twitch en 2-2. Sur Twitch, sur Twitter, voilà. Few free moments later. Non, il n'y a pas de ça ce soir. Twitch affilié. En fait, le problème sur Fire Emblem, c'est que arrêter une bataille en plein milieu, c'est chiant en fait. Voilà, hein. On n'est pas là pour. Voilà. C'est n'importe quoi. Ok, c'est pubé. Est-ce qu'il y a le transcodage? Il y a le transcodage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le transcodage. Oh, merci Simon pour le sub. 5 mois consécutifs. Le joli ballon de volée. Pas. Oh putain, je pourrais faire ça. En mode TRA. Mais je crois qu'il disparaît, il descend pas vers le bas. TRA. Ok, c'est nul, excusez-moi. On y va, hein. On va game, on n'a pas le temps ce soir, hein. On a 2h30, ambiance FARC. FARC. En mode, qu'est-ce qu'il raconte dark? Ouais, on est en dark mode. D'ailleurs, on pourrait presque être comme ça. On est en dark mode ce soir. C'est bon, fuck la lumière. Hein. On est des geeks avant tout. Hein. Les geeks, ça regarde pas le soleil. Hein. Ça regarde pas le soleil, les geeks, les amis. J'aurais fait 4 jours sur site cette semaine. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait 4 jours au taf en physique. Truc de fou. Lundi parce que formation. Mardi parce que le mardi on a fait foot, machin et tout. Oh putain, ça a pas quitté le jeu. Ok. Aujourd'hui parce que journée avec l'équipe, machin et tout. Bref. Et demain parce que jeudi. C'est fou. La lumière ça fait mal aux yeux. Ouais, la lumière c'est nul. Mesdames et messieurs, la musique se termine. C'est l'heure de jouer à Fire Emblem Endgate. Wouh. Ok. Oh, attendez. J'ai un beau cercle là, non? Est-ce que je peux le rétrécir un petit peu? Comme ça? Pas du tout. Ah! Oh merde. Oh, le cercle n'est plus centré. Oh oui. Oh non. Ok, pardon. Avec l'aide qui court et qui fait. On avait fini la dernière fois, on avait fait tout ce qu'on avait à faire. On n'a plus qu'à aller à la bataille. Petit rappel des épisodes précédents, peut-être. Attendez, je vous montre la carte du monde. Petit rappel des épisodes précédents, bien entendu. Nous avons quitté le royaume principal où on s'est fait attaquer pour aller à. C'est comment ça s'appelle? Feren, je sais pas. Escarmouche?
Soldats ennemis, les aberrations retournent parfois dans les zones que vous avez déjà terminées. Retournez dans cet endroit pour participer à des escarmouches facultatives. Tirez parti des zones pour obtenir de l'XP et des récompenses comme des écus ou des objets. Alors déjà qu'on avait fait une sorte de quête annexe ici, là maintenant on nous parle d'escarmouches. Ok. Voilà. Donc en gros, on était au milieu. Au milieu, on s'est fait attaquer, c'était la merde. On est allé tout en haut, là, le truc qui vole, parce que c'est safe et c'est un peu notre base. Ensuite, on a eu le prince qui nous a aidé au milieu de Feren. Je crois que ça s'appelle Feren, mais je sais plus. Qui nous a dit, s'il vous plaît, venez nous aider, c'est dangereux, on se fait attaquer potentiellement vite. Donc venez. On est venu et en fait, il se faisait vraiment attaquer au château. Le château a même été pris d'assaut. Nous avons donc, bien entendu, délivré le château. Il nous a dit, il y a un... Et on était content d'y aller parce qu'on doit récupérer les anneaux des emblèmes. On l'oublie pas, il y en a 12. On en a, pour l'instant, on en avait... que deux en quittant l'endroit du milieu là, et maintenant on en a un troisième puisqu'on a récupéré celui de Firen qui est d'ailleurs au doigt de la sœur du prince qui s'appelle Chloé, Céline je crois, et la reine du pays nous a dit au fait on en a un deuxième anneau, et là ils étaient en mode quoi, c'est vrai et tout, même le prince et la princesse étaient en mode quoi, bon, et en fait oui. C'était caché pour que personne ne le sache et il est un peu plus haut là dans ses ruines. Et donc la suite de l'aventure et de la quête principale se trouve dans ces ruines. Sauf qu'une fois qu'on a fini le château, on nous a dit « Au fait, il y a des quêtes annexes de temps en temps, vous pouvez aller voir, il y a des petits combats sympas. » Du coup, on y allait et surtout, on peut recruter des gens là-bas. On peut recruter des nouveaux personnages. Et donc du coup, on s'est dit « Wow, vas-y, on y va, c'est stylé. » Et donc, on a fait un petit combat, là, il y a des villageois qui se faisaient attaquer, on a recruté Jean. Jean, le best bro, il est là, regardez. Hop là, Jean. Qui est un healer et qui a une technique particulière qui est très intéressante, qui est les caractéristiques d'unité augmentent davantage quand elles gagnent un niveau. Ça c'est très intéressant, sachant que notre healer principal est Frame, qui est déjà niveau 5, hein, elle a bien avancé. Et du coup, bon, on va voir est-ce que Jean pourrait la rattraper, surtout en termes de stats, parce que là on voit qu'on a 9 de magie. C'est la magie hein, qui est intéressant, là lui il a 6 de magie pour le moment. Voilà, il faut voir ce qu'on peut faire quoi. Faut voir ce qu'on peut faire, potentiellement gérer ou pas gérer, ok? Voilà, c'est un peu tout pour les infos, et donc là, bah, ils viennent de nous parler d'escarmouche, on va tenter la petite escarmouche, on va voir ce que ça donne. Oh ah, classe de base niveau 8 quand même. Attendez, mais mes bonhommes, ils sont quel niveau là? Niveau 7, 5, 7, 8, 8, 4, 6, 7, ok, ça doit être faisable. Ça doit être faisable. J'ai juste regardé sur la principale. Ils nous disent qu'on doit être niveau combien? Niveau 6. Ah ouais. Mais peut-être qu'il faut que je fasse... En fait, je sais pas si l'escarmouche va disparaître. Peut-être que je fasse la principale d'abord, non? On peut tenter, hein. De toute façon, on peut tenter. On peut faire une save ici. Si on voit que c'est pas notre niveau... On récupère la save et c'est parti. On rappelle, on est en mode difficile, on est en mode permadef. Permadef, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un personnage meurt au combat, il est mort définitivement. Ce qui fait qu'on peut pas se permettre de tuer des personnages et se dire, oh, c'est bon, celui-là, ici, il crève. C'est pas grave, je le récupère au fight d'avant. Non, 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 non. Si on meurt, le personnage meurt et on ne l'a plus. Donc il faut, on a un mécanisme avec un objet qui nous permet de revenir en arrière un tout petit peu pour pouvoir tenter des nouvelles stratégies. Mais du coup, il faut potentiellement revenir en arrière. Et si on n'y arrive pas, parce qu'on n'y arrive pas, soit on accepte sa mort en mode. Bon bah tant pis, il est mort, chais, mais ça nous fait bien chier. Soit on reset complet le fight et on recommence 2-0. Quoi. Et ça on n'aime pas faire ça. Ça fait chier. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Le menu paramètres a désormais des options pour la musique. Ok, on s'en fout. Du coup, alors... Oh putain, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on regarde toujours la carte, on prépare toujours un petit peu le combat. Eux, ils sont niveau... Ah oui, ils sont niveau 8 du coup. Ah ouais, mais eux... Ah ouais. Ça va être dur. Je vous cache pas que ça va sûrement être dur. On est en mode difficile, ça fait... Ok, ça va être dur. Sachant qu'on est split, ce qui est pas toujours une bonne chose, puisqu'on a que un healer. Maintenant, on en a deux, mais... Le truc, c'est qu'on peut pas mettre tout le monde, regardez. En termes d'unité, vous voyez, on va devoir choisir. Là, il y a une unité qu'on ne peut pas utiliser. Donc on va voir, est-ce qu'on garde un healer, est-ce qu'on enlève, donc un healer de chaque côté, peut-être. Est-ce qu'on enlève quelqu'un d'autre qui serait moins utile dans le fight? Il faut qu'on regarde en fonction de nos caractéristiques. Par exemple, la Pégase est sensible aux archers. Très sensible aux archers. Du coup, on vérifie, est-ce qu'il y a beaucoup d'archers sur la map?
S'il n'y a pas d'archer sur la map, ou très peu, par exemple on en voit un en bas à gauche, un en haut à droite, du coup non plutôt un en haut à gauche et un en bas à gauche, et c'est tout. Donc on peut se dire que la Pégase pourrait peut-être être pas si mal que ça. Ensuite on a le tank. Le tank est très très bon, mais il est très faible contre les mages. Pareil, on regarde combien il y a de mages à peu près, on voit qu'on a un mage ici. On voit qu'on a... Il n'y a qu'un mage. Là, il n'y a pas de mage. Là, il n'y a pas... Ok, il n'y a qu'un mage. Donc, on peut se dire que le tank, c'est une bonne idée qu'il aille en haut. Alors, en haut, peut-être pas, parce que ça va être très long de se déplacer par rapport à au milieu. Le tank, faut peut-être essayer de viser, de le mettre ici, parce qu'il va, il va devenir invincible. Donc, potentiellement, bloquer le chemin là du mage par des gens qui tankent. Ensuite, on a l'archer. L'archer est très forte contre les unités volantes. Du coup, on a un Pégase ici, un Pégase là-haut. Donc, ça peut être potentiellement intéressant. Et un Pégase en bas. Ok, ça peut être très intéressant de garder l'archère. Il faut surtout pas l'enlever. Et enfin, on a les mages. On a deux mages ici. Sachant que on a une mage qui est très forte contre les aberrations. Mais c'est pas des. Si, il y a des aberrations là. Aberrations argentées. Ça, c'est des voyous. Il n'y a pas beaucoup d'aberrations quand même. Hein. C'est juste voyou. Mais les mages sont forts contre les unités tank. C'est quoi ça? Aberration. Les mages sont très forts contre les unités tanky. Oh putain, elle va être forte, je pense. Et on a une unité tanky ici. Une unité tanky là. Oh, on en a pas. Je vais peut-être dézoomer un peu. Et c'est tout. Donc est-ce que c'est utile? C'est peut-être pas utile d'avoir les deux mages. Sauf que j'ai un mage qui est déjà niveau. Vous voyez, elle est déjà niveau 8. Alors que l'autre est niveau 4. Donc on va peut-être garder Klein et mettre le Pégase à la place. Comme ça, on fait un heal de chaque côté. C'est une bonne idée. Hein. On fait un heal de chaque côté. Alors, on va mettre le heal le moins fort en haut. Parce que en haut, ça va être un peu carnage. Ça va être un peu carnage. L'archère, elle va être très bien ici parce que les deux Pégases vont rapidement venir ici. Et il faut qu'on rapidement qu'on tue lui en bas. Donc, je pense que on va déjà split. On va split les mages aussi. Ah non, on va peut-être enlever un mage du coup, on a dit. Hein. Parce que les archers sont très loin. Donc ils vont pas nous atteindre de suite. Allez, on va tenter ça. Donc on va unité enlever. Du coup, Céline. Pour mettre Chloé. Voilà. Bien. Permuté, ok. Chloé, on va la laisser en bas, je pense. En fait, elle pourra pas atteindre direct là-bas. En bas, il va falloir tanker. Hein. En bas, ça va être chaud. Le problème, c'est ce mage-là. Qui va défoncer mon tank. Hein. Il va défoncer mon tank. Du coup, c'est un peu compliqué. On va un peu se faire niquer, là. Donc, on va permuter, on va mettre un mage en haut. Et là, en bas, il faut un tank. Je pense qu'il faut vendeur, plutôt. Ouais, je pense qu'il faut plutôt un truc comme ça. Lui, il pourra pas aller là. Attends. Ah oui, parce qu'il y a les. Ah ouais, on va galérer à passer en haut, ça va être chiant. En haut, ça va être un peu chiant. En plus, il y aura personne. Ça va être un peu chiant. En bas, va falloir tank de fou. Ça m'embête que l'archère soit en bas, mais en même temps, des Pégases vont venir d'en bas, quoi. Peut-être faire ça. Il faut savoir que les cavaliers Pégases sont très résistants à la magie. Vous voyez, il a 10 de résistance, c'est contre la magie. Lui, il en a 8. Elle est résistante à la magie. Lui, il est pas du tout résistant à la magie. Il en a que 2. Vous voyez ? Elle non plus. Donc, potentiellement, lui, venir un peu peut-être faire le filou ici et mettre une dinguerie, sachant qu'on a 30 d'esquive sur les buissons. Ça peut être pas mal. Lui, en tank ici, il va rien prendre quasiment comme dégâts. Si je le mets dans les buissons, ça peut être pas mal. Et après, essayer de se setup pour voir ce que vont faire les autres. Ça m'a l'air bien là comme compo. On va juste mettre derrière le cavalier. Parce que le cavalier, il se déplacera plus vite. Et on va essayer. Alors, vu que c'est une lance, on va d'abord mettre le tank. Parce que lui peut attaquer jusque là. Ouais, c'est ça. On va avancer le tank dans les buissons. On va pas mettre l'épéiste parce que, on rappelle, l'épée est sensible à la lance. La hache est forte contre la lance et la hache est sensible à l'épée. On peut tenter un truc comme ça. Hein. Ça m'a l'air bien là. Le cavalier est derrière. L'archère est là pour l'instant. Lui, il va venir se positionner là, je pense. Potentiellement il va peut-être tout tanker. Alors on va voir si on le positionne là ou au-dessus. Je pense que
eux, ils pourront se positionner au-dessus. On est pas mal. À mon avis, on est pas mal. On va tenter ça. On va faire une petite sauvegarde. Alors, pas la même, du coup. Sinon, on est un peu biaisé pour ne pas faire le fight, finalement. Le fight va être dur, je pense. Hein. Le fight va être giga dur. Attendez. Un truc de ma petite sœur. Hop. Voilà. Je sais pas si c'est trop tard, j'ai fait un truc. Ok, on continue, excusez-moi. Combattre, c'est parti. Alors. Kokoni. Alors faire gaffe, hein, parce que lui, du coup, il va pouvoir nous attaquer de là-bas, donc on veut pas. On va la mettre ici, c'est très bien. On veut pas prendre cher. Non, on va plutôt mettre lui là. Attendez, est-ce qu'il attaque à distance lui? Non, il a une lance de fer, donc il attaquera au cac. Donc au cac, c'est très dangereux. On va faire ça. Gambalaba. Non. Juste, on le décale d'un. Parfait. Très bien. Non? Ah oui, ils sont. Donc eux, ils sont bons. Ensuite, là, c'est là où ça se discute. Mais non! Merci Briquette de lait pour le raid! Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien! Mais attendez, mais c'était pas l'anniversaire de Briquette de lait aujourd'hui? Attendez, coucou JB, merci! J'ai cru voir ça, mais je suis pas sûr. Si. Mais non! Joyeux anniversaire! 25 ans? Non, peut-être pas autant, hein. J'abuse là. 24 ans! J'espère que ça allait, que le live s'est bien passé sur 24 ans, merde. Sur The Witcher, non je sais pas si c'était The Witcher ou pas, j'avoue. C'est pas bien, j'espère que vous allez bien, nous on est sur Fire Emblem. On est chill ce soir, d'habitude vous voyez, des fois des petits raids sur Alcore Télévision, on est là en train d'essayer de battre des boss, on recommence 50 fois, on comprend rien. Là c'est chill, on réfléchit, on est posé, c'est du tour par tour, tactical game, tout ça. On est chill. Raft ce soir. Oh, Raft. Ah, Raft avec la team peut-être. 24 ans et toutes ses dents. Smart. Alors ça, je sais pas. Peut-être pas d'ailleurs, mais... Oh si. Non, je sais pas. Ça a l'air posé. Je découvre. Oui, c'est giga chill. C'est giga chill et ça fait plaisir. Alors. Donc là, on affronte le mage. Il va nous mettre 6. La question, c'est combien va nous mettre l'autre. Voyons, on peut le déterminer. Hein. Et salut, le vrai KK, bien sûr. Lui, il va faire une attaque... À 17, ok. Faut tout calculer. Hein. On a une défense de 6. 17 moins 6, calcul rapide, ça fait 11. 27 moins 11, calcul rapide, ça fait 16. Tout simplement. Et on va prendre que 7. Donc on peut faire ce qu'on a fait. On peut faire ce qu'on a dit. En plus, j'ai potentiellement évité une attaque. Donc je vais le one-shotter lui. Et est-ce que la lance fine. Non, vraiment, lance de fer vaut mieux. On va le one-shotter. On a 66% d'esquive, on va voir. Peut-être qu'on peut esquiver un coup, on serait content. Let's go le Pégase! On a esquivé le coup, c'est parfait. Elle a rempli parfaitement le taf. Lui, alors lui il faut faire gaffe. Bah lui on s'en fout. En fait on va avancer le temps qu'on a dit ici. Parce que eux ils font que des dégâts physiques. Lui il va tanker. Hein. Je vous le dis, lui c'est le tank. Clairement, c'est le tank de l'équipe. Donc on va le mettre là. Je pense qu'il va tanker tout ça sans problème. Par contre, il faut faire gaffe à où ils peuvent attaquer, eux. Eux, vous voyez, ils peuvent attaquer tout ça. Toute cette zone-là. Sachant que le Pégase va se faire one-shot par elle. Hein. Ça va être un one-shot, hein. Clairement. Et il faut aussi que j'empêche le cavalier de venir m'embêter. Lui, là. Lui, il faut pas qu'il vienne taper mes petits. Malheureusement, le cavalier... Alors, on retient la case, ça veut dire que... Attendez, j'avais dit que... Ok, il faut que je retienne qu'il faut pas que je me place à ce triangle-là, d'accord? À cause de lui. Et le cavalier, il va jusqu'où? Ah ouais, le cavalier, il fait toute la zone, là. Lui, il attaque de loin? Non. Pourquoi il peut attaquer derrière? Attendez, pourquoi il peut attaquer derrière? Alors là, je comprends pas. Comment il peut attaquer derrière, lui? Il a une hachette. Il a une hachette dans son stuff. Ok. Alors, il faut savoir que... Les personnages ont un stuff ici en bas.
Et là, on voit qu'il a une hache de fer. Une hache de fer, c'est un combat au corps à corps. Et la hachette, il peut attaquer de loin. Donc, du coup, il pourrait cibler quelqu'un qui est ici et attaquer de loin. Donc, il faut faire très attention à ça. Là, épée de fer. Pourquoi lui, il peut attaquer derrière? Ah oui, parce que lui, il peut se déplacer, faire 1, 2, 3, 4, 5 et venir attaquer là. Vous voyez? Et pareil, et non, et lui, du coup, pourra pas attaquer. Donc, faut faire gaffe à l'unité que je vais mettre ici si j'en mets une. Elle va être très vulnérable. Sachant que lui, du coup, il peut attaquer tout ça, donc c'est un peu chiant. Donc, lui, on va le restreindre. On va mettre notre vendeur ici. Lorsqu'on en plus, H contrôlant, c'est parfait. La question, c'est est-ce que je le déplace en bas? Sachant que là, ça va être bloqué. C'est-à-dire que là, je pourrais pas traverser. Donc, soit je mets le Pégase et Vendeur qui fight vers le bas. Et eux, du coup, les. Ah non, mais il me faut un. Ah, j'ai déjà un tank. Ouais, mais eux, ça va être au-dessus. Vendeur, faut qu'il reste en haut, je pense. Et on va tous se regrouper là, en fait, dans l'idée, je pense. Parce que là, il y a du monde, hein. Ouais, là, il y a du beau monde, hein, quand même. Donc, on va juste mettre Vendeur là, je pense. On va pas prendre plus la tête que ça. Donc, on est d'accord que. Ouais, non, c'est bon. Faut bien que je coupe la trage, on va lui laisser la hache de fer. Voilà, et vous voyez, ça a réduit le rayon d'action de lui. Parce que forcément, il peut pas traverser le pont, je le bloque. Ok, on a compris. Et là, du coup, eux, je peux avancer. Alors, je vais peut-être plutôt avancer l'archère. Je sais pas où va se placer le... Ah, parce que elle va avoir 4 de déplacement. 1, 2. Si lui vient là, c'est vrai que ça serait pas mal. Je sais pas si où va attaquer lui. Bon, on va quand même mettre l'archère là. Je préfère. Ok. Et là, c'est au tour de l'adversaire, on va voir ce qui va se passer. Forcément, il va attaquer le tank. Mais le tank, 0 dégâts. Voilà. Bam! On rappelle, le tank est sensible face aux unités magiques. Mais là, il n'y a pas d'unité magique. On a quand même pris 3. 1, mais 4 points de dégâts, c'est pas très grave. On lui met 15, c'est parfait. Et je sais même pas s'il va attaquer le Pégase. Le Pégase va peut-être même pas attaquer. Alors là, on est tous les deux dans les fougères. Donc ça va être compliqué de déloger ce cavalier. Ok. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il fait 3, 0, 0. On lui met 16. Et on va pouvoir one-shot. Sans effort. Ça, c'est géré. Hop. Et on monte de niveau. Cela renforcera sûrement mon sens du détail. En effet, Louis. Ok. Ensuite... Et ouais, tout en haut, on a... Oula! Oh, ça a bugué. 25, je l'ai mis! Pas mal. Oh, en plus, il dodge derrière, c'est parfait. Niveau supérieur pour Boucheron. Exactement ce qu'on voulait. Et après, en bas, ça se déplace. Tranquillou, ça se déplace là-haut également. Et ça se déplace aussi là. Le mage va avancer ou pas? L'archer va avancer, il faudra que je fasse gaffe. Ah non, il n'y a plus de mage. Il n'y a plus de mage sur la carte. Très très bien. Alors, donc là c'est un peu particulier. Soit je viens jusqu'ici pour venir mettre des tatanes là. Lui, ça va être un problème là. Le cheval, ça va être un problème parce qu'il a beaucoup d'esquive. Oui, il a une esquive à 52, du haut 30, donc il a de l'esquive de base. On va potentiellement back up derrière. Ça, c'est possible hein. Pour essayer de les faire tous passer par le pont. Le problème, c'est que les Pégases peuvent attaquer de n'importe où. Donc, faut que je fasse très, très attention à ça. Les Pégases peuvent vraiment attaquer de n'importe où. Lui, est-ce que ça, c'est une case sol-sol? Ah non, ça, c'est la rivière. Parce que lui, il peut tuer quelqu'un, n'importe qui. Attention à ce Pégase-là. Ce Pégase-là me fait peur. Mais pour l'instant, il n'est pas à range. Moi, je peux back up, là, avec ce Pégase. Je peux reculer et me heal sans problème. Parce que je pourrais pas le déloger du buisson, c'est beaucoup trop risqué. Et vu qu'il m'agresse, on va jouer plutôt la tempo. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux? En fait, ce qui est bien, c'est que lui, il bloque les deux là. Et en plus, ils font quasiment pas de dégâts. Donc potentiellement... Alors elle attaque au cac. Elle a combien d'attaques, elle? Elle a 13. Moi, j'ai 3 de défense, donc elle va mettre 10. Mais elle peut peut-être attaquer deux fois, mais même si elle me met deux fois 10, ça suffira pas. Donc si je veux XP, parce qu'il faut penser aussi à l'XP, je peux avancer mon archer ici pour tuer le chevalier Pégase. Je peux tuer le cavalier par exemple ici avec mon Louis, tout simplement. Et je peux back up mon Pégase. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans l'idée. On va le faire. Parce que là on est d'accord, il n'y a que le Pégase qui pourra attaquer. Ou lui à la hachette,
Sauf que je vais pas le laisser me tuer à la hachette. Alors juste pour vérifier, je vais d'abord... Moi d'abord, parce que bon, j'ai 97% de précision, ça devrait aller quand même. Bam! Ok, ça tue, c'est très bien. Je sais plus ce qu'elle a, Ellie au cac, mais je crois que c'est quand elle se fait heal. Hein. Ouais, c'est regain d'énergie, c'est... Confère plus 2 de force en un tour quand l'unité récupère ses PV à l'aide d'un objet soin. Okay. Donc ensuite on se met là, on attaque, arc de fer, rien besoin de plus, vous voyez on met 24 de dégâts, hein, c'est énorme. Hop. Il faut vraiment jouer avec les puissances des personnages, c'est en ça que le jeu est tactique. On est vraiment sur un tactical RPG. Oh, l'XP que j'ai gagné. Après Ellie est un peu under level, elle est level 6. Là on a tué une unité niveau 8 donc forcément il se dit wow, c'est une dinguerie quoi. Donc là faut vraiment que je fasse gaffe à lui. En vrai c'est bon, je pense que je vais me caler un petit heal du coup sur mon Pégase là. Lui peut pas attaquer de loin donc c'est parfait, et lui peut attaquer de loin en plus hein. On le rappelle, donc je vais les laisser avancer sur mon vendeur. Et là on va mettre un petit heal, bâton de soin. Parfait. On prend le temps, on a pas besoin de se dépêcher. Surtout qu'on sait que c'est un peu difficile là. On est presque under level pour la mission. Vendeur, limite, il peut avancer d'une case. Juste pour le plaisir. Lui, il est bloqué dans les fougères, il pourra pas se déplacer beaucoup. Juste pour le plaisir et surtout pour récupérer... Est-ce qu'il a une hachette, lui? Alors attention, lui, c'est un gros. Hein. Non, il a pas d'hachette. Plutôt une bonne chose. Donc on va avancer d'une case, on va garder la de fer. Et on va attendre ici pour avoir les petits fragments de lien. On prend, c'est gratuit, on y va. Ensuite, en haut, comment ça va se passer? Alors en haut, j'aimerais bien faire XP Klein. Pour faire XP de Klein, rien que mieux que de tuer. Voilà, je vais pas faire beaucoup de dégâts, mais ça suffit. On va tuer. En plus, c'est l'autre qui tue, mais on prend quand même toute l'XP. Et on avance. Alors, là, attention. Ah merde, là, ça fait un peu chier. Parce qu'en gros... Ah non, ok. Ok, personne peut se déplacer sur la tour. La tour, c'est... C'est la vie. La tour, c'est 10 de heal à la fin du tour. Alors, à la fin du round. Enfin, en gros, on fait j'attaque, puis l'ennemi attaque, un tour est fini. J'attaque, l'ennemi attaque, un tour est fini. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et il y a plus 10 d'esquive. Donc, mettre un tank comme boucheron dans la tour, c'est une dinguerie. Il faut pas que les adversaires puissent aller dans la tour. Sinon, c'est un peu chiant. Mais là, aucun adversaire peut aller dans la tour. Donc, je pense qu'on va tout simplement pouvoir se positionner jusqu'ici. Lui, il va m'attaquer juste avec une... Qui va m'attaquer en fait? C'est lui? Non, c'est lui qui va m'attaquer à la dague. Donc en fait, vu qu'il peut m'attaquer de loin, de derrière à la dague, on va mettre... on va équiper la hachette. Par contre, avant, je vais me heal. Toujours essayer de heal le plus possible. Donc, on avance. On fait un petit bâton de soin. Hop là! Comme ça, ça fait XP no heal et c'est très important d'XP les heals au début. Très très important. Et là, hop, objet, on met la hachette, comme ça on pourra riposter. Si on fait pas ça, je riposterai pas. Et notre très cher cavalier avance également. La question c'est, est-ce que je descends? Non, je peux pas descendre pour aider, hein. Je suis obligé de passer par là. C'est ça qui est difficile dans ce combat. C'est que j'ai vraiment des unités qui en bas vont un peu se faire corner. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Voilà, vous voyez, il m'attaque de loin. Alors j'ai pas beaucoup de précision. Ça touche quand même, on prend. Il m'a quand même mis cher, hein. Ok, là ça attaque mon Louis. Louis, bam! Il défend, aucun problème là-dessus. Le boss. Louis va peut-être être le MVP de la game. Hein. Là, bien entendu, ça attaque là, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Juste, vous voyez, ça a brisé la garde. Parce que c'est une lance. C'est une épée, pardon, qui a attaqué une hache. Et. Oh, il met 11 lui. Oh, lui, il fait cher. Il met cher. Les épées sont fortes contre les haches. Ok, très bien. Là c'est bien ce qui se passe, tout le monde se déplace tranquillement. Alors attention à l'archer. Mais l'archer encore un peu loin. Attention à celui-là d'archer surtout. Ah merde, je suis empoisonné par contre. Ça fait quoi le poison? Je sais pas ce que ça fait le poison. Merde, je sais pas ce que ça fait le poison. J'ai aguerri, c'est quoi déjà? Il a chaque fois que... Ah oui c'est vrai. Là il faut que je me mette sur la tour et que je me heal. Dans l'idée. La question c'est, est-ce que elle tue lui? Ah, elle va se prendre tout le monde. Non, elle va s'en prendre qu'un dans la tête. Alors faut savoir qu'elle est très forte. Elle est très forte, si je me mets en mode Marth, ce qui va sûrement être le cas. J'ai beaucoup d'esquive,
Et donc peu de personnes vont pouvoir me toucher. Ok. Donc lui il va nécessairement monter sur la tour, je pense. À moins que je fasse monter 28, 31. À moins que je fasse monter Alfred sur la tour. Et comme ça je peux attaquer. Mais Alfred va prendre cher. Alfred il a 12 en def. Oh, remarque, Alfred il va tanker un peu plus, hein. Il va tanker un peu plus, Alfred. Il a la cabane, mais la cabane ne sert à rien. C'est intéressant là, hein. C'est intéressant. Vitesse 4, vitesse 5. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va tuer la dague parce que ça empoisonne et le poison c'est très chiant. Et elle, je vais pas la mettre sur la tour parce qu'elle a déjà de l'esquive. Elle a déjà beaucoup d'esquive de base. Donc je fais une fusion. J'attaque. Je vais attaquer avec avec la rapière. Comme ça, si le gars d'en bas m'attaque, j'aurai ma rapière. Ah, c'est dommage, c'est que du coup, je vais prendre 5. C'est un peu dommage de prendre 5, ça m'embête. Est-ce que je prends pas de dégâts avec Libé? Avec Libé, je prends pas de dégâts. On va dire... Attendez, mais il peut pas m'attaquer lui, de toute façon, si. Ah si, il va pouvoir m'attaquer. 1, 2, 3, 4. Je vais quand même... Je pense que je vais quand même attaquer avec... Et avec lui. Ah, peut-être lui, non? Et puis, il y a un double d'expérience gagnée par l'unité. Vas-y, je vais faire ça, hein. Ça met beaucoup de dégâts. Tant pis pour la rapière, on s'en fout. Ah, ou sinon, je mets la cure acide. La cuirassée qui est forte contre les... les cuirassés, justement. Je vais mettre la cuirassée parce que Mercius ne permettra pas de tuer l'autre. Mercurius est incroyable par contre. Après pour l'XP ça a l'air bien Mercurius, mais... Double l'XP augmenté. J'hésite fort. En vrai je pense que je vais l'esquiver l'autre parce qu'il est trop long. Trop lent. Donc je vais plutôt mettre lui. Bam. Là je double mon XP, c'est une dinguerie en vrai. Surtout que je suis un peu under level par rapport à eux, hein. On le redit. Plus de vitesse, plus de force, plus de PV, c'est parfait ça. Ok. Et donc là on a dit qu'on allait mettre lui. Et comme ça lui il peut même attaquer potentiellement. Le truc c'est qu'il faudrait pas que je prenne de dégâts. Il a 32% de précision. Ouah, il me tuera jamais je pense. Lance d'acier. J'aimerais bien la lance d'acier là. La question c'est, est-ce que la fusion me permet... La fusion ne change rien, donc on va pas la faire. Allez, je vais me dire que je vais pas prendre les 10. Est-ce que ça a fait l'élan? Let's go. En même temps, 32% de précision, on est content que ça esquive. Niveau supérieur du lien entre les deux. Oh oui, ça c'est bien ça. Et on reste sur la tour. Surtout, très important, on reste sur la tour. Lui, maintenant, je peux pas le tuer malheureusement. Il va sûrement venir... lui, il va forcément attaquer... Ah, remarque, il pourrait attaquer Alfred. Il a la hache. En fait, lui va attaquer Alfred. J'ai mal... Bah, j'ai mal joué. Je sais pas si j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Alfred va esquiver et lui, il va rien faire. Ah si, il va attaquer de loin. Parce qu'il a un javelot. Mais bon, on va l'esquiver. J'ai pas vu lui. Ok, lui est trop loin. Très bien. Du coup, je pense qu'il me suffit simplement de reculer. Alors, faut faire gaffe là, parce que... Ah non, mais lui, il attaque au cac. En fait, je peux attaquer à la hachette et le tuer. Personne va venir... 1, 2, 3, 4. Il a que 4 de mouvement. Personne va venir m'embêter. Il peut pas attaquer de loin. Lui, il pourra jamais aller jusque là-bas. Lui, il a combien? 5 de mouvement? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah vas-y, je vais faire ça. Parti, hein. Si t'achètes, on tue. Voilà. Bien joué, Boucheron. Et on va aller le soigner, bien évidemment. Alors, il est un peu loin, mais... On ira soigner dès qu'on peut. On va d'abord avancer le heal. Ah, ça, c'est chiant. Le buisson ici qui me coûte un mouvement de plus pour me déplacer, c'est chiant. Ok, ensuite, en bas. En bas, c'est la merde, hein. On rappelle. Mais bon, en vrai, le Pégase, là, est très loin. Donc ça, c'est cool.
On est d'accord que il y a que ce Pégase là qui est dangereux parce que celui-là il va attaquer Louis. Lui c'est du one shot. Ah c'est pas du one shot. Ah si, peut-être avec l'arc d'argent. Arc d'acier. C'est du one shot, 84% de précision. Ça devrait le faire. Louis. Louis il est bien dans son buisson hein. Juste là, il faut que je heal. Ils peuvent pas attaquer de loin. Ça va juste taper, heal et attaquer de loin avec ça. C'est parfait. Hein. C'est parfait. Hein. On va juste faire ça. Hein. La question c'est, est-ce que Louis se déloge ici? Ça peut être une bonne idée. Mais non, on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'après je vais devoir partir par en bas. Ah non, je peux partir par en haut. Je peux amener Louis en haut, mais Louis, on a pas besoin de lui en haut. On va avoir besoin de lui en bas, je pense. Quoique, on a Vander quand même qui va tanker. En fait, il faudrait que Louis attire un des deux Pégases là. Dans l'idée. Vas-y, Louis, t'y vas. C'est parti. Parce que là, je prends rien, on est d'accord. Je prends 0. Je mets combien? Je mets 17. Je mets 16. Je mets 18 avec la Kaba, mais ça suffit pas. Donc, on va garder le. On va garder la lance de fer classique. Je suis pas full précision. Mais je prends pas de dégâts. C'est pas très grave. 85%, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. On est d'accord, je voulais pas libérer de l'espace. Hein. Combien de mouvements? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que je me mette genre là. Ah non, parce que j'aimerais bien faire un heal. Ah, c'est un peu chiant. 1, 2, 3, 4, 5. Comment je fais là? Elle va... Bon après, 13. On rappelle un 13, j'ai une défense de 3, ça fait 10. X 2, ça fait 20. Elle va venir... Elle va clairement venir attaquer... J'aurais peut-être pas dû décal. Parce que du coup, elle va pouvoir attaquer l'archère. Parce que j'aimerais bien mettre mon heal sur Vander. Et elle, j'aimerais bien qu'elle attaque lui là. De loin. Parce qu'eux peuvent pas attaquer de loin, alors que là, je vais pouvoir attaquer au javelot. Mais pour avoir le heal, il faut pas que je me mette là, quoi. Parce que si je me mets là, j'aurai pas le heal, forcément. Donc il faut absolument que je me mette là. Parce que si je me mets là, quoi qu'il arrive, c'est mort. Si je me mets là, je vais me faire attaquer derrière. Si je me mets là, je me fais pas attaquer, mais j'ai pas la range. Bon, on va se mettre là. Normalement, c'est assez safe. Pire, je vais prendre un double coup du Pégase. C'est pas très grave. Ça tue. Parfait. Et Tiki monte d'un niveau. Ça fait plaisir. Visiblement, l'entraînement commence à payer. Il faut donc que je continue comme ça. Plus de force, c'est bien. Plus de vitesse, plus de chance, c'est bien. Chance, c'est pour éviter les coups critiques. Maintenant, lui, il va attaquer. C'est combien que ça heal, ça? Ah, maintenant, imprégné de magie de soin rend une petite quantité de PV à un allié. Je sais pas combien c'est. Si ça joue par rapport à la magie, je suppose. Les soins 14, c'est ça? Non, mais là, il manque pile 14. C'est ça? 27 plus 10, 37. 39, 40, 41. Ah non! Ah, donc là, j'ai déjà le soin à fond. Là, je le mets pas full life en fait. 41 PV sur 42. Mais c'est très bien, comme ça, j'aurai l'esquive. C'est très bien. Parce que elle donne 10 d'esquive à ceux qui sont à côté. Donc c'est très bien de commencer par ça. Oligotani. Très bien. Là, on va faire. La question c'est, est-ce qu'on fait un ja. Oula. Ah oui, ils pourront m'attaquer de profil. En vrai, là, je pense que je vais faire un javelot de là. Je prends pas de dégâts. Je mets 2 x 12. C'est énorme. Que j'attaque de loin. Compte de fées. Ah oui! C'est vrai. Elle a une technique qui est très intéressante. Compte de fées. Qui fait que si un homme et une femme sont à 2 cases de l'unité, elle affiche 2 points de dégâts en plus. Et là, bah, on a collé tout le monde ici, là. Et donc, du coup, bah, 2 points de dégâts en plus. Ce qui fait qu'avec ma hache de fer, je peux attaquer sans souci. Monsieur. Parfait. Qui a un gros tank lui. Hein. Ah, du coup. Le chance c'est que c'est Vander qui prend l'XP. Mais bon, tant pis. Et après, ils vont venir m'attaquer à l'épée là-bas, de toute façon. Donc le Pég. Ah, il peut attaquer de loin. Il peut attaquer de loin lui. Ah oui, il avait un javelot. Brise garde. Ah ouais, du coup, je vais pas pouvoir répondre. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'était prévu. 70% de précision quand même. Hein. Wouah, j'ai pris cher. Hein. Je pensais que j'esquiverais mieux que ça. Là, il va briser ma garde. C'est pas grave. Ça me met que 4. Et là, le Pégase qui attaque ça. On a vu 2 x 10. C'est exactement ce qu'on avait calculé.
Mais tout va bien. Oula, attention à l'autre Pégase quand même. Ok. Là, je me suis fait souiller, hein, en bas. Oh, dommage parce que Mercurius, je le tue quasiment, hein. Mais je le tue pas. Par contre, avec une rapière, c'est finito, hein. Et avec la cuirassine, est-ce que c'est finito? 26 et 3. Ah, je risque quand même de prendre un coup. 26, 27, 28, 29. Ça tuera pas. Parce que là, il va forcément aller mettre un petit bâton de heal ici. L'archer, il fait combien de dégâts, l'archer? Il fait 16. Est-ce qu'il pourra tuer lui? Je suis pas sûr. Hein. Après, je peux faire des... Lui, il a 4. 16, c'est ça? Ça fait 12 de dégâts. Je sais pas s'il met 2 dégâts ou pas. Je pense pas qu'il mette 2 fois de dégâts. Ça dépend de la vitesse, mais je me souviens plus c'est quoi la diff. Genre là, il a une vitesse à 8, vitesse à 6. Donc je pense que ça passe. Faut qu'il ait 2 fois plus de dégâts, je crois. 2 fois plus de vitesse, pardon. Ou je fais une adrénaline. Je peux aussi faire une adrénaline. Là, si j'attaque au javelot, lui, il va quasi rien prendre. Si je descends de ma tour, je vais pas tuer. Ah si, à la Kaba, je vais tuer à la Kaba. Et ouais, je tue à la Kaba. 87% de précision. Je tue à la Kaba et ici, je tue avec... Je tue avec l'adrénaline. Est-ce que je tue avec l'adrénaline et Mercurius? Oui. Vas-y, ça part là-dessus. Hein. On rappelle, hein, on veut de l'XP sur tout le monde. Oh, oh la haine que j'ai. Je me suis fait troller là. Est-ce que là, si je fais un cristal temporel... Teste un truc. C'est juste un test. Si j'attaque d'abord avec elle... Est-ce que ça reset le fait qu'il n'y aura pas de crit? Qu'il n'y aura pas de... Qu'il n'y aura pas de l'esquive? Là, ça tue, c'est parfait. Ah, je sais pas si j'ai eu de l'XP en plus, là. En vrai. Ah oui, putain, ils pourront m'attaquer. Ah non, c'est bon. Meilleur jeu, ça. Salut, Flash! Ah, de fou, moi, c'est... C'est le kiff ultime, hein. On va tout de suite tester, du coup, si là, ça va tuer ou pas. C'est clairement le kiff ultime. Ouais, là, ça touche. Ok, donc c'est fort, quand même, de revenir en arrière pour ce genre de cas. Un peu fort. Voilà. Et là, je... Est-ce que je reste là? En vrai, si je reste là et que je... Non, je me mets là. Je vais prendre les deux, mais c'est pas très grave. Je pense que je meurs pas. Parce qu'en fait, je vais aller heal en bas et j'ai pas envie que mon bonhomme prenne des coups. Je vais aller là. Et lui, il va venir... Il peut attaquer de loin, lui? Oh merde, il a un javelot. Il va venir là. Objet, on équipe la hachette. Je l'ai déjà. Objet, un petit popo de soin. Hop là. Et là, je suis safe, du coup. Parfait. Bâton. Soin. Ça heal de 13. Arigato gozaimasu. Oh, Jean qui va bientôt prendre un niveau. Et lui qui avance là. Comme ça, il permet de donner du crit à ceux d'en bas. Ok, ensuite. Deuxième partie du chemin. Alors, le problème, ça va être ça. Ça, c'est 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Il a pas de javelot? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je me mets là, il pourra jamais m'atteindre. Personne ne peut m'atteindre. C'est clairement ce qu'il faut faire. On prend juste l'arc de fer. Ça suffit, 95%. Ça tue. Let's go. Parfait. Parfait ça, parfait ça. Bon, Louis, il a essayé d'attirer des gens, mais il a pas réussi. Louis, il casse les couilles.
Et là, la dague peut... Ah non, mais... Ah si, la dague... Ouais, mais ils pourront rien faire. Eux, ils vont se prendre des... Ils vont se prendre des tatanes dans la gueule, hein. Lui, il peut m'attaquer? Comment? Ah oui, il peut faire le tour. Mais bon, épée contre lance, hein. J'ai envie de dire. Là, faut juste que je fasse gaffe, c'est qu'elle va se faire focus par lui. Pourquoi par... Pourquoi par lui? Lui, c'est impossible. Ah si, s'il se met devant, il peut l'attaquer de loin. Ok. 5 de mouvement, on rappelle. 1, 2, 3, 4, 5. En effet, ils peuvent attaquer là. Après, elle, je peux la décaler d'une case. Sans souci. Juste. Ça serait bien. Peut-être à la hachette. Tu... Attendez, est-ce que je tue là? Merde. Non, je vais jamais tuer au javelot là. Hein. 11. Donc il lui restera 14 HP. Et est-ce que je tue ensuite avec lui? Je mets pile 14. J'ai envie de le faire dans ce sens-là pour qu'elle prenne l'XP à côté. En vrai, je vais prendre 4, c'est pas très grave, je pense. Ils me tueront pas. Hein. Je comprends, je vais quand même prendre un sale focus après. Hein. Je vais prendre le Pégase. Non, mais je vais prendre juste le Pégase, c'est tout. Et potentiellement une attaque de loin. Et une attaque au cac. Je vais prendre 3 attaques. Hache légère, je mets combien? 14. Eh ben non. Vas-y, on tente. Je touche par contre. Ok. Je prends 4. Après, en vrai, elle fait combien? Elle fait 13? Ah oui, mais non, parce qu'ils peuvent combo. Ouais, non, c'est mort. J'attaque javelot. On a les copains. Voilà, j'ai plus 2 d'attaque. Plus 2, c'est énorme. Ça tue. Elle prend masse XP. Voilà. Elle passe au niveau 8, c'est parfait. C'est très fort, hein, les Pégases. Hein. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un mauvais début. Et là, c'est là où j'ai un souci. Et j'aimerais bien heal, mais je peux pas. Parce que je peux potentiellement prendre lui qui vient au cac et qui me met 14. Ouais, je peux prendre très cher en vrai. Je peux prendre très très cher. Donc on va juste décaler là, je pense. Tant pis. Elle peut se faire focus? Ouais. Donc je peux mettre une garde enchaînée ici. Ah non, mais je vais heal au-dessus, je suis con. Juste heal là. Juste heal ici, hein. On prend l'XP. On prend ce qu'ils disent. Briser bâton sang, c'est pas un problème ça. Et lui, il va venir se mettre là. Peut-être qu'il va amener quelqu'un, mais je pense pas en vrai. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, bien sûr, l'archer qui attaque derrière. J'ai pris un coup de poison, mais je sais pas ce que ça a changé. J'ai pris plus de dégâts, non, du coup? 9. 11. Oh, il a évité. Ok. Ah, ils attaquent mon Pégase. Oh, j'espère que ça va aller. J'ai été poison. Ok, ça va. Elle attaque pas Pégase. Ouh. Tout va bien. Ok. Bon. En bas, ça va être facile. On a le mage. Le mage, il one shot. Lui. Ouais, y'a pas de question. C'est fait pour. Il va quand même me mettre des dégâts. Zla. Mais c'est pas grave. Bam. Les mages, pareil, hein. C'est difficile à faire XP au début, mais après c'est très très fort. Après, il prend pas de niveau, ça m'embête. Et après, on va tuer. On va utiliser la dernière Mercurius. Ça tue. Voilà. T'as un crit, non? Ah non. Parfait.
Il a gagné en vitesse, machin et tout. C'est parfait. Et là, alors. Là, il faut essayer de descendre vers le bas. Parce qu'il n'y a rien à choper là-bas sur le côté. Hein. Tout le monde est en bas là. Hein. Tout le monde est en bas. Oh, mais lui, il vient si loin. Il vient si vite, lui. Je vais quand même faire une halte ici. Parfait. Lui, je le mets là. J'ai une hache légère. Et là, je fais un soin sur le tank. Très bien. Ensuite, de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu la merde quand même. Oh, Jean. Jean qui gagne plus de stats quand il manque de level. Hein. Okay, bon, c'était pas flagrant. C'était pas flagrant là. En plus, il a pris vitesse, def, chance. Ce qui sert pas trop. La vitesse, c'est bien, mais. Alors, comment on va faire là? Parce que là, il y a deux Pégases. C'est un peu chiant. Là, ça one shot si je prends un arc d'acier. Hein. Ça va être chiant. Là, il y a deux Pégases. Alors, attention à lui. Hein. En plus, lui, il peut tuer. Elle va devoir reculer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que ça, c'est un one shot direct. Hein. Direct. Il y a no way, ça one shot pas. Ce que je peux peut-être faire. En fait, le problème, c'est que on tuera pas ce. Ah, remarque, si je mets. Si je mets Louis ici. Et ouais, mais non, parce que je tuerai pas ce Pégase là. Parce que pour tuer ce Pégase là, faut que je me mette ici. Et là, du coup, je serai à range. Remarque, je serai à range que d'une personne. Hein. Parce qu'il y a qu'une personne qui pourra se mettre devant. Donc soit de la dague, soit de l'archer. Oh, c'est pas mal en vrai. Hein. Je peux peut-être me heal. Lui il tue ce Pégase là. Mais ouais, mais je peux pas me heal. Il faudrait que je me heal quand même. Comment je tue les deux Pégases en même temps? C'est tout. La question est là. Hein. Comment je tue les deux Pégases en même temps? Parce que Louis... Ah. Là, je suis safe, non? Ah. Ah, 16. Ok, après je pars sur un one shot ici. Ouais. Et je prends une popo. Et je heal. Oh, c'est pas mal ça. Allez, vas-y, on tente. Hein. On tente. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord déplacer Louis ou pas? Peut-être. Louis, il a quoi lui? Il a juste, il tanque plus, c'est ça, hein. Les alliés sont à 2 cases au max, elle subit 2 points de dégâts pendant le combat. Ça, on s'en fout. C'est si 2 alliés ou si... Si 2 alliés sont à 2 cases max de l'unité. Bah là, ça va être le cas, du coup. Mais je vais pas prendre l'autre bonus, mais c'est pas grave. Est-ce que je touche? Ah non, ça a pas marché. Bon, je prends 0, de toute façon. Bam! Bam! Voilà, ensuite, ici, je suis giga safe. Ciao! Elle est malomale. Là. On prend 5% de précision. Parfait. Et voilà. Et qui peut attaquer lui maintenant? Que un seul des deux. Pas les deux. Les deux, ça sera impossible. Sauf si je le tue. Mais je tuerai pas. Utiliser la potion. Et en vrai, soit je heal, soit je fais un truc gardé. Là, personne peut me toucher, là. Sinon, je fais une garde enchaînée. Hein. Comme ça, je les force à attaquer le tank. Vas-y, je fais une garde enchaînée. Voilà, 0.
Et moi je mets 17. Oh que ça crit. Oh les 51 de crit. Let's go. Par contre du coup il va bien m'attaquer à la dague. J'espère qu'il mettra pas 17. C'était peut-être pas une bonne idée de crit. Ah en plus elle prend de l'XP. Ouais c'était une bonne, strat ce que j'ai fait là. Faut juste pas qu'elle meure à la dague. Oh non, 2 fois 11. Je tuerai pas. Putain mais j'ai crit aussi. Pourquoi j'ai crit? Et ça c'est parce que j'ai l'arc d'acier, du coup je suis lent. On va revenir en arrière, c'est pas grave. Fallait pas que je crit. Le gars qui veut pas crit. Mais franchement je peux, juste me mettre là et ça se trouve je vais pas crit hein. Vas-y je teste. On teste pour le plaisir. Parce que je tue pas hein, 17 je tue pas hein. Putain je crit instant. Il faut que je change Ah ouais je crit. Là il va mettre exactement la même chose. Justement c'est pour éviter d'avoir les non crit quoi. Il a 100% de précision en plus là, donc il y a no way. Il y a no way ça se passe bien. Écoutez, je vais changer au lieu de faire une garde. Je vais juste heal. Là, au lieu de faire une garde enchaînée. Déjà, je vais le mettre ici plutôt pour changer, on va voir. Et je vais mettre un soin. C'est dommage que je puisse pas changer son objet. Parce que je pense que si elle a pas l'arc d'acier Ah oui mais du coup là l'autre va m'attaquer. Attends mais je suis con. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ah putain il est con. Faut pas que je crit là hein. Bon j'ai pris cher. Ok je crit pas. C'est bon. Putain il m'a mis 19 lui hein. Ouh putain c'était chaud hein. Sa race. C'était chaud hein. Je peux le fumer lui ou pas au cac? Non je le tue pas au cac hein. Ils sont chiants à tuer eux hein. Alors qu'est-ce qu'on fait là? En vrai, l'archère attaque. Le tank se place devant et c'est finito hein. Là je suis forcément. De toute façon on fait XP Eti. Allez ciao. Et là bon courage les amis. En plus j'ai une Kaba, je one shot. Je peux... Oh j'aurais pu rater mon coup en vrai. Est-ce que c'est dans la liste? En vrai, là je tue, non? Âge de fer, 113% de précision. On le met à 9 HP. Et avec le Pégase. 9 HP. Oh non! Oh, je mets 8! Oh merde! Ça, c'est ballot ça! Je le mets vraiment juste à 9 HP? Ah bah c'est dommage ça. Là je fais 7. Et merde. Je tue pas un HP. Là je peux pas attaquer aussi. Non. Si. 2 fois 0. 2 fois 0. Bon après c'est pas grave hein. Regardez je fais un ici. MDR ouais ouais c'est marrant ouais. Je fais ça. Arigato. Et là je sais pas ce que je fais. Il y a combien de dégâts? Il met 9.
Il me tuera jamais. Du coup, on va faire ça. Il choisira contre qui il voudra mourir. Il m'aura poison tellement de monde, lui. Ça se trouve, il va attaquer de loin. Je vais prendre mon javelot. Il va attaquer de loin, ce con. Vas-y, en vrai, on récupère l'objet, hein. Épée fine. Alors, peut-être le TGV. Oh, putain, mais lui, il va loin. Mais lui, c'est combien de mouvements? C'est 13. 13. Je sais pas combien je fais de cases, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aurais même pu en faire une, là, et faire un javelot. Youhou. Ok. Lui, il est juste là pour le plaisir, pour faire coucou. Et toi, bah, tu vas soin. On pense à l'XP, les amis. Arigato. C'était bien d'avoir deux heals, hein, ouais. Un heal de chaque côté quand je suis speed comme ça, c'est... C'est trop bien, hein. Paris-Montpellier, c'est clair. Il a fait toute la map. Mais pourquoi il a attaqué là? Bon bah il a choisi qu'il devait gagner l'XP, il a choisi la bonne personne. Je sais pas pourquoi il a attaqué là et qu'il a pas reculé pour attaquer la dague. Eti, eh ouais. Eti qui aura tué quasi tous les Pégases. Attendez, je vais chercher de l'eau, j'arrive. Eti la bosse. Ok, c'était chaud, hein. Franchement, elle était intéressante, Escarmouche. Ce qui est bien, c'est que ça fait un peu... on doit se défendre. On n'a pas d'objectif à avancer vers l'avant. Finalement, on n'a pas trop bougé de nos positions, à part au début, on est allé sur la tour avec Louis. On est allé au... Du coup, je peux remettre en emplacement 1. On est allé au... Au pont avec Vander. Et en haut, on a avancé, par contre, parce qu'il y avait beaucoup moins d'ennemis. Mais c'est vrai qu'en bas, il y avait tellement d'ennemis. En fait, c'est ceux du bas, hein, qui ont pris beaucoup d'XP. Mais ce qui est bien, parce que comme ça, Pégase a pris de l'XP, Louis a pris un peu d'XP, tout le monde a pris un peu d'XP. Trop stylé. Le fight était trop cool, je suis trop content. C'était trop bien. Bon, on va éviter de dire bonjour à tous les... Oh là, à tous les mobs de la Terre. On va juste recruter les petits animaux. Pibou. Animal adopté. On va récupérer les objets au sol, bien évidemment. Il faut que je parle à ceux... Ouais, bah faut que je parle à mes personnages par contre, ceux en bleu. Parce que les fragments liens c'est trop stylé pour le gacha game. Qui sert en plus. 150, c'est pas mal. Y a rien d'intéressant là-bas, je crois. Ah si, y a un animal sur le côté, mais je l'ai déjà adopté, non? Ah non, c'est pas un animal. Attends, quoi? C'est toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah donc toi, tu ne sers à rien. Très bien. Chloé qui a carré un peu aussi, hein. Au début elle a tué le mage et tout, ce qui a fait que Louis pouvait tanker sans problème. Les mages c'est dangereux, hein. On a peur des mages. Après ça, on les défonce mais... Ah. Trois oranges. Donc eux ne servent à rien, on a dit. Louis, oh Louis. Les batailles étaient riches en enseignements que je pourrais mettre en pratique pour protéger mes alliés. Bien joué Louis. Vander aussi, hein. Vander, il a bien carré sur le pont. Hein. Un jour ne s'écoule sans que vous n'affermissiez vos forces. Permettez-moi d'en concevoir quelques fiertés. Boucheron, il a tanké en haut au début. Hein. C'est toi qui as tanké au début, hein. On se rappelle. Hein. Eti la boss, la héroïne. Il me semble que j'ai largement fait ma part aujourd'hui. Faut croire que mon entraînement avec les gars a fini par payer. Bah, les squats et tout, ça a payé. Hein. Je suis content parce que c'est trop fort les archers. Malheureusement, Céline n'a pas participé. On a donc rien à donner. On peut recruter la poule et le chien. Voilà, et il nous reste plus que Jean qui a pris de l'XP, hein. Bien joué Jean. Et enfin les deux derniers, les frères Frame qui a bien carré aussi.
Klein, ça va être difficile, hein. C'est un mage, mais ouais, c'est difficile hein, par rapport à Céline. Aïe, difficile en vrai. Allez, on y va. Je vais quand même retourner à Somniel, je pense. Parce qu'il faut que je fasse l'entraînement. Faut que je regarde les potions, parce que j'ai utilisé quand même une potion sur Vendeur. J'ai cassé mon bâton, mais ça devrait aller. On va nourrir le chat. On va ramasser les items. Bon, on passe vite fait, quoi. Est-ce que j'ai beaucoup de... Vous savez que la manette... Bon, après, il n'y a pas trop de vibrations, mais la manette de Wii tient tellement plus la batterie, mais tellement plus, à l'infini fois plus, que la manette de PS5. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Cadeau ? Tiens, je t'offre une gemme protectrice. Non, je vais pas t'offrir un crottin. Il y a plein d'objets là-bas, what the fuck ? Elle, si je l'offre un crottin, elle va peut-être pas trop aimer, si. Non, bah tiens, prends un joli galet à la place. Arigato. Faut que j'arrête de donner mes crottins à tout va sans réfléchir. Ils aiment pas trop. Je sais pas si j'ai gagné beaucoup de thunes, je crois pas. Hein. Je me souviens même pas de ce que j'ai gagné de la bataille. Ah, c'est pas marqué les thunes ici. Ah si, en bas peut-être. J'ai que 300 écus, ouais, j'ai rien gagné de la bataille en fait en thunes. Ça m'a juste permis d'XP en vrai. Ce qui est bien. Orange. On prend les pommes, les pêches. Et il y en a un dernier qui... Bien, c'est là-bas. Le raisin. Et on fait un Non, on va pas faire un gigatour. On va faire ça. Hop. Pao, palao, pao, palao, pao, pao, pao. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est gratuit aussi ça, c'est parfait. Clairement, il faut améliorer Klein. En plus, il se bat contre Frey, mais il est là-bas. Ah non, c'est contre Eti. Oh putain. Oh, il va prendre cher. Oh non, c'est bon, il va gagner. À moins que ça crit. Non. Attention à l'esquive. Ok, bien joué. Parfait, ça on aime, ça passe niveau supérieur. C'est beaucoup mieux, je sais plus que j'espérais. Ça, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir rétablir un peu l'écart de niveau avec ça. Parce que là, je suis niveau 9, niveau 1, mais en rang au-dessus. Niveau 6, niveau 7, niveau 6, niveau 9, niveau 2, niveau 5, niveau 7, niveau 8. Après, Jean, c'est difficile hein, parce qu'il gagne pas grand-chose. Le problème, c'est que là, il va se faire défoncer. J'aurais bien refait un Klein en vrai. Oh merde! Ah bah là. Ah, c'est peut-être pas loose hein. Oh, il a esquive! Ah bah du coup, c'est win. Oh, il a esquive! Oh le boss! Oh le boss! Pas mal hein. Et après, on va quand même faire un... Ah, ça m'embête de dépenser pour Jean, mais Jean, il peut carry les fights. Hein. Jean, ça peut être mon meilleur healer à terme, en fait. C'est juste que là, pour l'instant, il a du retard. La question, c'est est-ce que j'investis sur lui ou pas? Oh. Oh, shit. Voilà, c'est fini, toi. Pourquoi je joue cure acide? Allez, dodge. Let's go. Oh. On ne gagnera jamais, hein. C'était pas mal Jean. Ouais, on gagne pas grand chose. Hein. J'ai gagné 20. Ok. Et après les emblèmes. Ah oui, les emblèmes ça demande. Mais là je suis level 10. Je suis level 6 avec Sigurd. Je suis level 6 avec Sedika. On va garder comme ça, c'est bien. Très bien, nickel. Je vais me TP maintenant à droite. Arrière court. Faut bien que je pense à revenir à Somniel pour faire ça à chaque fois. Utiliser des points ou des fragments de liens dans la salle des emblèmes. Pour aider de technique d'emblème, créer des anneaux de liens. T'inquiète pas qu'on connaît ça. T'inquiète, poulette.
On connaît. D'ailleurs, je vais avoir des dingueries avec la lance et tout là. Je vais avoir des dingues. Y'a quelqu'un à qui parler là? Qu'est-ce que tu veux toi? Ah, c'est Jean! Oh, trop bien! Il va parler avec Etty du coup? Non, avec moi-même? Quoi? N'y a pas que deux heals, il faut pas oublier hein. Deux heals, c'est surcheaté. Vaut mieux avoir deux heals et une bonne formation qui résiste bien que pas deux heals. Allez, faisons l'entraînement physique. Qu'est-ce qu'on va faire ce coup-ci? En vrai, gagner 2 de force, c'est pas mal. Les PV, franchement, on s'en fout. Hein. La tech, ça permet de plus crit. Non, mais les pompes, c'est le mieux. Hein. Parce que les pompes, c'est directos. Directos, plus de dégâts, quoi. Plus de dégâts, c'est stylé. Hein. C'est un peu long, quoi, mais. Se balasser. Elle est concentrée hein, pour faire les pompes. Kakoyeo. Il faut s'hydrater, jure. On va boire de l'eau après l'entraînement, bien sûr. Quand on fait du sport, il faut s'hydrater. C'est vrai, après l'entraînement, hydratez-vous. Pendant l'entraînement, hydratez-vous. Voilà, bon, je peux pas trop pendant. Il me faut un temps mort, quoi. Il n'y a pas de temps mort quand on fait les pompes. Se balasser. J'appuie si tôt, le truc est un peu bugué en vrai. Regarde, pas vu ce que ça a fait. Ah, j'appuie trop tôt. Oula, je suis un connard. On s'en fout jusqu'à là. Pas du tout battu le record, on s'en fout. S++, mais what the fuck. Ça fait du bien de boire de l'eau. Force augmentera de 2 pour la prochaine bataille. Comme ça, 0 échec. Et oui, parce qu'en fait, vu que je le fais avec mon petit pote en bas à gauche, là, je crois qu'il enlève... il enlève 3 échecs. Si je dis pas de bêtises. C'est trop cheaté. Je sais pas ce que ça fait de pas le mettre, d'ailleurs. Ouais, c'est n'importe quoi. Allez, ok, le chat ramène des carpes, la brebis ramène du lait, le chien ramène lingots de fer... Donc je vais peut-être mettre un deuxième chien plutôt. En vrai. Je vais mettre un deuxième chien au lieu de 2 moutons. Ouais, comme ça. Ils disent ou pas? Non, ils disent pas ce que ça fait. Comme ça, je pourrais avoir plus de lingots de fer. Les lingots de fer, ça carie bien pour améliorer les armes. Ah, je peux faire une action? Ah, c'est... Ok, c'est l'animal qui fait une action. C'est n'importe quoi. Ok, et on va juste aller voir le chat en bas et ça. Et la salle. Je sais pas si j'ai gagné beaucoup de... J'ai beaucoup de fragments. Ah, 900. 900, c'est pas mal. Quoi. Peut-être en avoir 1000 d'ailleurs avec ça. Nourrir à peine, il aime pas les oignons. On va lui donner une petite orange. Ça a augmenté? Ah oui, à l'instant. Hop, et on le caresse. Encore? Allez, donne-moi les trucs. Quand on quitte, qu'il les donne. Je crois qu'on l'a assez caressé là. Je crois qu'on l'a assez caressé. C'était quoi tout en bas déjà? Je me souviens plus. Y'a rien, je crois. Hein. On va bientôt entamer la suite des combats. Hein. Ou des épreuves, ouais, c'est pas ouvert pour le moment. Du coup, il me faut juste aller dans la salle des emblèmes.
Les ennemis avec l'icône. Et là, vous voyez, en héritage de technique. Là, moi, je veux vraiment choper l'esquive plus 15. Parce que j'ai déjà l'esquive plus 10. Je crois. Ah non, j'ai pas l'esquive plus 10. J'ai agilité. C'est vrai que ça serait pas mal. Mais il me faut la plus 15. La plus 15, elle va être trop forte. Mais c'est 1500 points, quoi. J'en ai 317. C'est long, hein. Et là, il me faudrait... je pourrais mettre précision plus 10. Mais si je pouvais avoir puissance lance. Puissance lance, ça serait trop fort. On va faire attaque plus 1 à la première attaque de l'unité. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que c'est fort, ça. Hein. En fait, au plus je suis loin... Ah ouais, c'est vrai que c'est fort, ça j'oublie, mais... C'est trop fort. Lui, il a quoi? Il a juste dépassement de soi, c'est tout. On lui en a pas donné encore. Ouais, faut attendre. Hein. Mobilité. Ah, mais ça, je l'ai déjà. Ouais, ça, je l'ai déjà. En... Fais gaffe, hein, le bonus de type. Ouais, il est en bas seulement, ouais. Pareil, inflexible, je l'ai. Perception, je l'ai déjà, on l'a vu. Si je vais essayer de lui en attribuer, c'est nul. Hérité, ouais, voilà, perception, hérité. Mais ça sert à rien, cet effet. En plus, c'est marqué. Cet effet ne se cumulera pas s'il est équipé pendant un engagement avec l'emblème Marth. Ah, mais du coup, je peux lui mettre quand même de base. Je l'ai pas mis, mais je pourrais, non? Faut que je regarde. Et donc, du coup, Céline. Céline, on a récupéré la précision tome 1, ça c'est bien. Esquive, plus 3 de précision, plus 3 d'esquive lorsque l'unité utilise un tome. Et après, faut attendre. Merde. C'est quoi ça? Ouais, on s'en fout ça. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie là. Non! Je suis un connard. Je peux la mettre. Ah non, mais non, ok, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux la mettre, mais ça sert à rien. C'est quoi, inspiration divine déjà? Ah oui, c'est vrai. Par contre, mes objets là, j'ai plus d'objets. On va récupérer l'IB et la cuirasside. Je crois que j'avais une épée de fer aussi. Non, j'avais pas d'épée de fer, impossible, ça ne sert à rien. Une popo par contre, ça peut être utile. Peut-être qu'une épée fine pourrait être utile, on sait jamais. Pour un gars très lent. Et mes popos. Voilà. Ok. Est-ce que je fais un petit tour de gacha ou pas là? Je peux pas encore unir des anneaux. Hein, on le rappelle, il me faut... On n'est pas loin de pouvoir unir ces anneaux là, on se souvient. C'est là, la Quan Bi. Pourquoi je pouvais pas déjà? Qu'il en fallait 3, c'est ça? Mais j'en ai 3, non? Je sais plus pourquoi je pouvais pas. Mais ça coûte 1000 de fragments. Ah, mais j'ai 1000 de fragments en lien. Mais attendez, c'est bon pour Quan Bi là? Je peux le déséquiper et le mettre, non? Ou je teste, attendez. Ah, c'est un peu chiant à faire ça, j'avoue. Conby, c'est qui l'a? C'est Bûcheron? Non, lui il a Célis. Merde, on voit pas facilement. Dommage qu'on le voit pas. Merde, c'est un peu chiant. C'est Louis peut-être. C'est Louis. Du coup là j'en ai 3. Du coup là si je fais ça... Attendez, alors peut-être... Unir des anneaux de lien. Quan Bi. Et oui, voilà. Let's go. Wouhou. Je sais pas si ça vaut le coup en vrai. Hein. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Parce qu'on en a eu un S direct avec juste 100 de trucs, quoi. Je sais pas s'il vaut mieux gacha game ou pas. Bon, c'est pas grave. Quan Bi. Quan R. Quan A, du coup. Let's go.
Et on a juste à faire vite fait la partie polissage. Et c'est parti, on va faire la suite juste après. Polir. Allez. Hop. Bien. Hop, c'est Nika. C'est pour Céline. Et tout en bas, je sais pas pourquoi. C'est tout ou... Je pense que c'est bon là. Oui. Et Alfred. Let's go. Magas gets going going stereo. Compris. Allez, c'est parti. Juste vérifier les popos et on part sur la suite de l'aventure. La suite de l'histoire d'ailleurs. À 100 points d'expérience, un allié passe au niveau supérieur et voit ses caractéristiques augmenter. Sans blague. Alors. Inventaire. Alors, qui a besoin de popo? Toi. Est-ce que une suffira? Oui. Moi, je dirais que oui. Remarque, je peux... Ah non. Remarque, il a des torches, on s'en fout. Qui peut prendre les torches à sa place? Alcora, prend les torches. Et comme ça, je mets quand même... Ça, c'est quoi déjà? Ah oui. Voilà. Je lui mets quand même... je vais quand même lui acheter un nouveau truc de popo. Au cas où. Potion 2, potion 2, ça c'est bon, ça c'est bon. Hache polaire. Potion 1, on pourra lui mettre une popo. Potion 3. Potion 3, potion 2. Ok. Entrepôt. Non, pas entrepôt. Ah, faut que j'aille... Ok, faut que j'aille à Pat. Ce qui se comprend, ce qui se comprend. C'est juste là. Hein. Bonjour. J'aimerais bien avoir des popos. On a dit pour Jean. Ah mais j'ai plus que 300 écus. Bah c'est parfait. Voilà, c'était juste pour Jean. Ah ou vendeur. Jean est un peu derrière. On va quand même la mettre à vendeur plutôt. Jean est un peu derrière normalement. Voilà. J'ai pas un pet de thunes, donc je vais rien pouvoir faire. C'est super. Allez, on y va, hein. Je peux pas plus graver en vrai. Échanger? Ah oui, c'est vrai. J'ai 31 de fer, 17 d'acier. Pour passer en 3. Ah ouais, il me faut 50 de fer. Pas mal d'acier, ouais. Mais là, il me faudrait plutôt des épées des autres. Genre la... Alors, elle est déjà plus de... Genre l'arc de fer, par exemple, ici. Il faudrait que je l'améliore. Par exemple, ça serait cool. Pareil pour la lance. Pareil pour un bouquin. Ah non, les bouquins, on a dit que c'était pas ouf. Non, si, les bouquins, c'est ouf. Enfin, ça fait des dommages en plus, quoi. Bon, on verra. On verra plus tard. Ciao, ciao. Attendez, mais... Attendez. Le bouquin de Céline... Il est amélioré ou pas? Attaque magique 20. Le bouquin de Céline, il est amélioré, c'est ça? Lui, il est en plus 0. Ah non, il est en plus 0, c'est celui de Céline. Ah non, non, aucun des bouquins n'est amélioré en fait. Oui, bah. J'ai un. J'allais dire, attendez. C'est pas le bouquin de Céline qu'il faut améliorer, c'est le bouquin de Klein. Ok. Sauvegarde. Et c'est parti pour la suite de l'aventure. Pas d'escarmouche, hein. On va pas forcément toutes les faire, ouais. Les quêtes annexes, potentiellement, oui. Parce que si ça permet d'avoir des personnages, je trouve ça cool. Mais voilà. Il me manque trop un bretteur qui fait full esquive, là.
Ça serait stylé. Ok, on y va. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Matériaux fer, classe de base niveau 6, tout à l'heure c'était 8. Ça devrait aller. Commencez. On rappelle dans l'histoire principale, on va chercher l'anneau dérobé. On va aller chercher l'anneau qui est caché au dérobé, ça veut dire qu'il a été volé peut-être, on va voir. Qui est censé être caché dans les ruines. Nous sommes presque, poursuivons encore un peu en direction du nord et nous arrivons au sanctuaire. Le paysage est de plus en plus rocailleux. On se rapproche de Brodia, il n'y a que des montagnes là-bas. Le village se raréfie aussi, j'imagine que ça n'en fait qu'une zone plus propice pour dissimuler un noble emblème. En effet, plus on se rapproche de la frontière brodienne, plus le froid s'intensifie et le calme règne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas âme qui vive à l'horizon. En effet, je ne vois personne. Alors que tout à coup, à part elle, oh, Nani, c'est qui ça? Jette un coup d'œil à gauche, à droite. Attends un peu. Mais que peut-elle bien faire ici? Elle pleure? Il y a de quoi vous fendre le cœur, non? Je ferais mieux de l'aider, je suis son prince après tout. Je ne peux pas rester les bras ballants, tandis que mon peuple souffre. Alfred, attendez! Oh, dans quel pétrin je me suis fourré! Oula, oula. Bien le bonjour! Hein? Que se passe-t-il? Puis-je t'aider? C'est. Je me doutais qu'on allait vous effrayer, nous sommes désolés d'avoir ainsi surgi de nulle part et. C'est top, Moumout! Vous tombez à pic, je suis sauvé! J'ai égaré quelque chose et il n'y avait pas un chat à des lieux à la ronde alors que alors j'étais dans tous mes états? Oh pardon, j'en oublie les bonnes manières, vous pouvez m'appeler Yonaka. Coucou à vous. Coucou à nous. Oh, c'est bien la première fois que j'entends ça. Quoi qu'il en soit, qu'as-tu égaré Yonaka? Un petit anneau du genre brillant avec un gros trou au milieu. Ouais, 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 je vois l'idée quoi. Ah oui, il parle. Allez savoir pourquoi. Vous pouvez répéter cela? Oui, je me doutais que vous ne me croiriez pas. Je vous crois, ça doit être un anneau d'emblème. Continue s'il te plaît, qu'a-t-il... Hein? Que t'as dit l'anneau? Que je dis pas de bêtises, il m'a dit de l'apporter au dragon divin. À moi? Est-ce que vous voulez dire que vous êtes le dragon divin? Oui, désolé de ne pas l'avoir signalé plus tôt, je suis le dragon divin Alcora. Et puisqu'on en est aux présentations, Alfred, prince de Firenne. Misère divine, vous aurez dû commencer par là? Je crois que j'ai fait une crise cardiaque. Oh non, fausse alerte, ouf. Déjà, je n'avais nullement l'intention de te causer un quelconque ennui de santé. Il est trop, Tac, tac, lui. Yonaka, comment vous avez découvert l'anneau? Je me baladais du côté de la frontière et je m'occupais de mes petites affaires quand j'ai entendu une voix de femme. À l'aide, je suis là, à vos pieds. Ah, ainsi vous auriez un certain don pour l'imitation. Bref, j'ai ramassé l'anneau et voilà qu'elle me dit apportez-moi un dragon divin. Mais moi, je ne savais pas du tout où trouver le dragon divin, alors j'ai répondu que je ne pouvais pas l'aider. Heureusement, elle connaissait la route et elle m'a dit de me diriger vers la capitale de Firenne. Conseil avisé, la route la plus rapide pour Lithos passe en effet par la capitale. Mais en chemin, j'ai été attaqué par des bandits. J'ai fini sans demander mon reste à l'anneau. Sans demander mon reste. Et l'anneau, bah, je l'ai plus. J'ai dû le laisser tomber quelque part, pauvre de moi, sniff sniff. Mais maintenant que vous êtes là, vous allez m'aider à le retrouver, hein, s'il vous plaît. À en croire son récit, on dirait bien qu'elle en est tombée sur un anneau des emblèmes. L'anneau de la fille de l'aube, a priori, mais cela voudrait dire que quelqu'un s'en est emparé au sanctuaire. Donc que ce soit un autre anneau, on n'a plus qu'à le retrouver et à tirer ça au clair même. Très bien, Yonaka, nous vous aiderons. En voilà une bonne nouvelle, elle va sauter de joie si c'est vous qui la retrouvez. Commençons par rebrousser le chemin que vous avez emprunté. Oh putain. Sur quoi on est tombé là? Moi je m'attendais à une bataille dans les ruines, machin et tout, pas du tout. Pas le moindre anneau à l'horizon. Peut-être que quelqu'un l'a ramassé entre temps. Oui, tout le monde passe. Oui, tout le monde passe les lieux au peigne fin. Si se trouvait dans le coin, on aurait déjà dû mettre la main dessus. Êtes-vous tout à fait certaine de ne pas l'avoir égaré avant l'assaut des bandits? Je l'avais avec moi quand j'ai traversé ce village abandonné là-bas. Ah, quoi? Le village a l'air de grouiller de bandits. Ah bon? Mais comment savez-vous ça? Je parie que ce sont les mêmes affreux qui me sont tombés dessus tout à l'heure. Allons voir ça d'un peu plus près! On va attaquer le village! Enfin, on va attaquer, non, on va défendre le village plutôt. Ils se sont emparés du village! Ce sont bien les bandits qui se sont jetés sur moi, y a pas de doute. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un dans l'eau qui. C'est un câble. Bingo! Juste là. Vous le voyez? Et pas qu'un peu, le master là-bas, il y a un truc qui brille à la main, ça peut être que l'anneau. Qu'en pensez-vous, votre divinité? C'est un anneau d'emblème?
Non, il est trop éloigné, je ne peux pas le dire avec certitude. Yunaka, vous semblez avoir une vue perçante, c'est clair. Oh que oui, j'ai des yeux de tueuse. De tueuse? Ah ouais, de tueuse. J'ai des yeux de tueuse, des yeux qui voient hyper bien, quoi. Si vous voulez qu'on examine quelque chose pour vous, vous savez à qui vous adressez. Ah, c'est une voleuse. C'est peut-être une voleuse, en vrai. Quel est le plan? On se retrouve avec deux objectifs maintenant. On n'a pas de voleur. Un anneau volé à un village plein de bandits. L'anneau est notre priorité, mais nous ne pouvons donc pas laisser ces bandits continuer à sévir. On va se faire repérer si on leur fonce dessus, tous ensemble. On ferait mieux de se séparer. On envoie un petit groupe récupérer l'anneau en douce, ni vu ni connu. D'accord. Parfait, venez avec moi, votre divinité. On est ensemble sur ce coup-là. On est ensemble. Ok, nouveau personnage peut-être, du coup, qu'on va gérer. Par contre, petit groupe d'unité, ça veut dire que là, va falloir choisir. Hein. Va falloir faire des choix. Connexion. Oh putain. 4. Ah, 2 en haut. Voilà, voilà. On se faufile par là et on prend le type qui a l'anneau par surprise. Se glisser par un passage dérobé, c'est très malin, Yunaka. Ok, petite sauvegarde pour éviter de se retaper tout ça, bien évidemment. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Combien d'unités? Ah non, ça va! Il y en a qu'une que j'ai à virer. Ok, on va regarder qui, on verra en fonction des personnages, comme d'habitude. Permuté. Le problème, c'est que la carte est pas trop visible. Ok, donc c'est lui qui a l'item, je suppose. Talisman. Oh, ça c'est bien ça. Donc on a un mage. Ça, ça fait peur. Hein. Elle a les torches, elle. Elle a les torches. Éclaire dans un rayon de 7 cases. Ça, c'est bien. La torche, c'est bien. Et sachant que j'ai aussi elle qui a Illumina. Un bâton qui illumine l'obscurité éclairant dans un rayon de 7 cases. Également. Donc ça, c'est cool. Parce que je sais pas ce qui se passe là-bas. Et je sais pas ce qui se passe ici. Donc on a un voleur. On a deux voleurs. Ok, ça va beaucoup être voleur. Voleur. Donc contre voleur, il faut des gens rapides. Ah ouais, ok. C'est mage, voleur. Ok, donc il faut des gens rapides, des gens tanky. Donc clairement, il nous faut Chloé. Ça, c'est quasi sûr. La question, c'est est-ce que j'ai besoin de deux heals là, vraiment, ou pas? Peut-être pas besoin de deux heals. Peut-être pas besoin de deux heals sur ça. Hein. Il faut les dadas, c'est plutôt efficace contre les voleurs. Pareil pour lui. Lui, il va tanker, il va rien prendre comme dégâts. Peut-être que l'archer, ça part, ouais. Le heal, c'est la sécurité. En vrai, peut-être que j'enlève Eti. Mais Eti niveau 8, elle a un peu de retard. Niveau 6, boucheron, faudrait que je mette boucheron devant. Enfin, un peu de retard. Non, elle a bien rattrapé son retard quand même. Elle a bien rattrapé son retard. Hein. Alcor est un peu en avance, mais c'est voulu. Soit je mets deux heals. Et j'enlève Eti parce qu'on voit. Je sais pas s'il y a des unités volantes. Ils ont sûrement pas d'unités volantes en vrai. Hein. Et comme ça, je laisse les deux mages. Les mages, ça va être fort contre les. Vas-y, on peut tenter ça. Ça m'a l'air pas mal, je pense. Et comme ça on fait XP les deux heals. Parce que les deux heals sont en retard pour le coup. Donc on enlève Eti. Et on met Céline. Ensuite comment on va les positionner juste? Comment on les positionne? Bon en haut c'est sûr ils sont à deux comme ça. Elle faut vraiment pas qu'elle meure. Du coup c'est bien une voleuse. Bien une voleuse. Donc on va récupérer une voleuse là dessus. Elle va utiliser ah non cure. Rend une quantité moyenne de PV à un allié. Oh, j'aimerais bien l'avoir ce truc là. parce que moi, mes heals, j'ai que des bâtons de soins. Du coup, ça heal pas tant que ça. Hein. Ça heal que de 14, malheureusement. Alors que cure heal de 20, c'est ça? Cure heal de 22. Waouh, ouais, la diff est insane. Toi, on va te mettre pour voir si tu peux pas. Ah non, putain, j'ai pas la range là. Ça, c'est que 5. Ça, c'est 6. Lui, il va peut-être pouvoir aller tuer là-haut. Ou en tout cas venir embêter là-haut. On va aller mettre Alfred un peu devant en tant qu'avec Boucheron. Tu n'as pas du stuff pour la voleuse. En fait, je peux pas l'équiper parce qu'elle est. Pour l'instant, elle est pas dans mon. Elle est pas considérée dans mes unités. Ouais. Elle est pas considérée dans mon unité, donc pour l'instant, je peux pas l'équiper. Merde. Permuté. On va mettre les heals en bas, hein. Ça c'est prévu. Elle pourra stepper en haut si besoin en vrai. Hein. Peut-être. Non mais en vrai par contre, c'est lui qui passe devant clairement. Bon bah j'espère qu'il n'y a pas de mage, mais c'est des voleurs, ils ont pas de mage les voleurs. Je pense qu'on est bien comme ça. Hein. Là il y a une série de personnes qui ont fait des dingueries.
On va avancer comme ça et on va voir ce qui va se passer, hein, je pense. Ça m'a l'air bien. Hein. Lui va monter là-haut. Il va le two shot. Lui il viendra l'aider en heal. Elle vient en backup ici. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on va tenter ça. Ça sera un peu plus facile en plus que le truc qu'on vient faire juste avant normalement en termes de niveau. Combattre, c'est parti. Alors ils vont m'expliquer le noir et le blanc, c'est ça? Fait complètement noir ici. Comment affronter des bandits, on peut même pas les voir. N'inquiétez pas votre dignité, je suis là pour ça. MDR. Ok, bah elle a rejoint le groupe instant. J'ai une vue si perçante que je peux repérer les méchants même dans le noir ou le brouillard. Enfin, en attendant que vous mettiez la main sur une torche. Après, vous voyez aussi bien que moi. Dans les zones sombres, seules les zones autour des alliés, des fanaux et des torches sont visibles. Avancez prudemment, les ennemis pourraient être tapis dans les ténèbres. Bien évidemment. Mais voilà, prenons-le par surprise. Bonne idée. S'il vous plaît, menez-moi au dragon divin. Oh, on l'entend. Ah, ça a l'air de valoir son pesant d'or. Ah, c'est lui qui l'a. Je ne pourrais me faire un joli pactole en le refongant. Le patron a pas besoin de tout savoir. Vous nous entendez, n'est-ce pas? Je l'entends, c'est la même voix que tout à l'heure. Pas de doute, c'est un anneau d'emblème, Yunaka. M'aiderez-vous à la récupérer? Bah évidemment, vous êtes bizarre, vous. Pourquoi on serait là sinon? Effectivement, merci. Et d'ailleurs, maintenant que j'entends sa voix, je peux vous dire que votre imitation était parfaite. Bla 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 bla. Allez, faut vaincre Teronda. Parti. Alors, attaquer par derrière, ça fait pas plus de dégâts, on est d'accord? Les dagues infligent du poison. Les voleurs avec classe similaire utilisent des dagues. Ouais, ok. Les ennemis empoisonnés subissent des dégâts supplémentaires. Ah, c'est ça le poison, ok. Porter de multiples coups de dague augmente la puissance du poison. Ok. Les ennemis restent empoisonnés pendant la durée de la bataille, à moins d'être guéris à l'aide d'un antidote ou d'un bâton vitalis. Faudrait que je donne un bâton vitalis d'ailleurs à un de ces quatre. Les dagues permettent d'attaquer de loin, non? Ouais, du coup, on met clairement Alcora en front-end. Mais ouais, mais elle va le one-shot. Elle va le one-shot, j'aimerais bien la faire XP, elle. Parce que du coup, elle est avec nous, hein, c'est validé. Ça change rien. On va attaquer de loin comme ça, du coup. 12, ah merde, il a une hachette. Fait chier, bah non, faut pas que je prenne de dégâts. Hein. 50% de précision. Elle a une popo ou pas, elle? Elle a pas de popo. Elle a une popo? Elle a des potions. Allez. Ah, vous sortez d'où, vous? Tiens. Oh, let's go! L'esquive, c'était calculé. En vrai, elle est niveau 6, donc ça va, c'est déjà pas mal en vrai. Non, pas de fusion de suite, clairement pas. On utilise Libé. 22. Plam! Ça m'embête parce que c'est Alcora qui prend tout l'XP, mais bon, après, c'est bien quand même. Mais mon trésor! Du coup, c'est Alcora qui récupère l'anneau. Nous avons récupéré l'anneau. Soignez-nous, emblème de l'aurore. On va avoir celle de. Radianton. Je crois. Oui! Let's go! C'est une mage. C'est comme Céline en fait. Une mage qui peut se battre à l'épée. Et qui utilise les éclairs d'ailleurs plutôt. Mikaya, putain c'est ça, je suis en pleine Mikaya, ma vision de l'avenir vient de basculer, la victoire nous attend désormais. Ah, c'est donc l'anneau de la fille de l'aube, Yunaka, je vous le confie. À moi, mais je... Il vous revient, tout ce que je vous demande en retour, c'est de nous aider à vaincre ces bandits. Allez vous joindre à l'emblème Mikaya? Ouais, ça marche, comptez sur moi. Ok, donc je sais pas ce que ça lui donnera comme bonus. Eh ouais, ça lui donne un bâton du coup, mais... Ah oui, elle peut utiliser les bâtons, elle. Attends, quoi? Qu'est-ce que ça donne comme bonus? Ça donne, ouais, voilà, ça donne un de magie, deux de résistance. Je sais pas si c'est à elle de l'avoir. Confrère, crit plus 15 si l'unité se trouve sur un terrain qui augmente l'esquive. Oh, stylé. L'unité peut être équipée de bâtons. Et ça, c'est ce que donne Mikaya, en fait. Confère plus 5 à la portée du bâton. Mais ça... Attends, quoi? Mais ça, c'est 100% pour un heal. Restaure les PV de tous les alliés, même ceux que le joueur ne contrôle pas. Ah ouais. L'unité, si l'évran voit ses PV tomber à 1. La dingue, Mikaya! C'est vrai qu'elle est healée.
En plus de faire de la magie. Mais ça, je vais mettre ça sur... sur eux, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. The fuck. Il s'en fout, hein. 12. Je vais reprendre 12. Ouf. Un peu dangereux quand même, là, non? Peut-être plutôt me mettre là, ouais. Il va d'abord m'attaquer avec sa putain d'épée, par contre. Ça fait chier. Mais bon. On a le temps, on a le temps. Juste équiper la hache de fer. Il a pas de hachette. Ah, il a un marteau. Marteau, c'est fort contre... ouais, les tanks. Non. Je peux le mettre là, lui. Il faudrait que j'utilise mon bâton, là. Illumina! Ça donne de l'XP, hein. Ah. Là, on discute. Là, on discute. Ah, je peux attaquer, c'est vrai, avec mon javelot. Bah, go. Hein. Bam! De toute façon, eux vont être assez safe normalement. Prendre ma hache de fer. De toute façon, il va m'attaquer. Normalement, il va forcément attaquer lui. C'est quasi sûr. J'ai mal à ma hache d'acier, ok, pourquoi pas. Hop. Est-ce que je rapporte un mage là? Peut-être en vrai. Hein. Elle pourra se déplacer si besoin, elle aussi jamais là. Ok, tour suivant. Je sais pas qui va sortir de derrière. Tiens, on dirait qu'on a un invité de dernière minute. Moucher les chandelles, tout le monde. Chef, oui chef. Ah les bâtards. Pourquoi il m'a attaqué lui? Bah oui, il est con. Fallait attaquer la hache en dessous, mon ami. Oh non! Ok, ça c'était bâtard. Quoi? Il attaque de si loin? Ok, il y a un mage au-dessus. Le mage au-dessus, j'avoue, c'était pas prévu. Je crois qu'on s'est fait repérer, ils éteignent toutes les torches. Mais vous faites pas de billes, on les rallumera au fur et à mesure. D'accord. Ok, ça marche. Sauf que toi, par contre, tu vas avoir un problème, mon pote. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de... Attendez, il faut que je l'avance, elle. Faudrait que je révèle la zone ici. Là, je peux pas avancer dans le noir, ça va être dangereux. Hein. Pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais clairement, il va tuer ça. Parfait. C'est cool d'avoir un marteau. Là, ça va être très très cool. On veut pas. On veut que ça soit lui. Il faut que ça soit vendeur. Bon, 2x1, c'est rien. Je touche, nickel. Blam! Blam! Comme ça, je donne l'XP aussi là. Niveau 8. Elle est déjà niveau 8. En vrai? Ouais, non, mais c'est fou, je tue. Voilà. Parfait. Donc lui peut y là en vrai. Ah non mais j'aimerais bien. Ouais je vais avancer en vrai avec mon tank. Je pense pas qu'il y ait deux mages. S'il y a deux mages c'est la merde mais. Je pense que je peux mettre. Je peux mettre Louis ici et lui ici, à mon avis. Quoique là, je peux attaquer. Ah non, je peux pas attaquer, il est trop loin. J'ai pas de javelot. Ah si, je peux attaquer. Mais non, mais je vais aller tuer avec Pégase. Pégase, ça va être du one shot. Ça va complètement être du one shot. Donc je me mets là.
Je vais équiper lance de fer plutôt. Je me mets là. Je garde le javelot, on va dire. Et là, je refais un Illumina. Parfait. Au moins, je sais qu'il n'y a pas d'archer. Il fallait surtout pas qu'il y ait d'archer. Ouais bon, c'est pas très grave hein. Oh là 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 là, Chloé qui esquive. Chloé trop bien. Le Pégase. Le Pégase c'est une unité très difficile à maîtriser, mais une fois maîtrisé c'est banger hein. Je vais le mettre là du coup. Ça permet de récupérer la une torche du coup. Je vais enlever la torche, j'en ai pas trop besoin en vrai. Ok, ensuite là-haut. En vrai, je me déplace ici. Objet. Torche. Damn! Yunaka, laisse-moi vous montrer comment utiliser les bâtons. Non mais Mikaya se spécialise dans la guérison des alliés grâce à magie puissante, la technologie. La technique d'engagement clair permet à l'unité d'engager avec Mikaya d'utiliser un bâton indépendamment de sa classe. L'arme de fusion flash permet d'attaquer et diminuer une zone. La technique de fusion augmentation augmente la portée et la zone d'effet du bâton. L'attaque du fusion grand sacrifice restaure tout le monde mais met à 1 HP. Ah c'est vrai qu'on pouvait trade les HP, je me souviens. Donc on pouvait utiliser la magie pour éliminer les lieux les plus obscurs. Ah ok. Ah ok, il y a flash. Et en fait je peux faire flash sur quelqu'un et ça va lui faire mal et ça va illuminer en même temps. Lui, ils peuvent m'attaquer de loin, eux ? Je sais pas. Non, ils peuvent pas. Non, y a un mur. Bah, du coup, let's go. Fusion, et on va illuminer les... On va illuminer tout ce qu'on peut illuminer, hein. Bah, après, j'ai utilisé une torche, donc en fait, ça sert pas trop à grand chose. Oh ! Putain, heureusement qu'il est là, lui. Oh, l'arc long. Oh oui, let's go, je vais pouvoir récupérer un arc long. Je vais prendre charge. Non, ça va, ouais. J'ai one shot avec Libé, en plus. J'ai gagné quasiment aucun XP. 13. Ah, dommage, j'ai pas esquivé, c'est dommage. Libé carry, hein. Ok. Ça, c'est pas très grave. Bam! Mais 8. Oh, le jump. Par contre, je suis poisonné. Ok, on voit un peu mieux ce qui se passe, c'est pas mal. Du coup, là, bah, je vais carrément me mettre là. Est-ce qu'elle peut heal, elle, du coup? Non, je pense pas. Hein. Elle peut totalement heal. Et elle heal de 22. Ouais, c'est bon. Je vais me mettre là, je vais attendre. Et du coup là je peux faire un bâton d'ici. Je peux faire un bâton de giga loin. Ça c'est une dingue. Ça c'est vraiment une dinguerie par contre. C'est vraiment trop bien. Ça. Oh là là, je vais avoir ça. Oh là là, c'est trop bien. Ça c'est trop bien. J'aurais pu changer d'arme. Bonne remarque, non, c'est bien libéré. Du coup attention à l'archer qui est en bas ici. Peut-être que c'est aux chevaux d'y aller. En plus, je vais pas prendre de dégâts contre une hache. Très peu en tout cas. Ah non, si, je vais prendre cher contre la hache. À l'inverse. Est-ce que je fais une fusion TP Pourquoi je peux pas aller là? Je comprends toujours pas. Ah non, ok, pardon. Je vais le mettre là, puis je fasse télégranation. Là, je one shot. Hein. Je mourrai pas au cas contre lui. Il faut que j'allume le flambeau. Le flambeau, c'est 7 au tour. Je sais pas. Lui, il a peur de rien, lui. Ouais. Non, je vois pas mieux.
En fait, je vais mettre trop de temps à me déplacer là-bas. Lui, il va faire chier. Mais il va pas la one-shot. Attendez, bah on peut vérifier ça. Hein. Attaque 23. Oh, c'est bon. C'est géré. Normalement, c'est géré. On y va. Parce qu'un archer, c'est trop chiant. Elle est incroyable. Pareil, hein, là, la magie... En plus, je vais avoir l'arc long. J'ai pas Etsy avec moi. Arc long. Envoyé. Let's go. Là, j'espère que ça ira pour elle. Et on va tuer lui. Alors elle va pouvoir se déplacer au-dessus, mais je sais pas trop ce qu'il y a là-haut. Faut que je fasse gaffe quand même. Ah lui il est... Ah si, il va pouvoir attaquer là, parfait. On rappelle hein, on veut faire XP le mage là. Klein. Parfait. On gagne en magie. Ah non, on gagne pas en magie, on gagne en tech. Ah, ça c'est dommage. Et est-ce qu'on avance elle pour refaire une illumination ici? Après, je peux avancer mes deux mobs. En vrai, oui, hein, c'est une bonne idée. De toute façon, faut bien que j'utilise Illumina là. Hein. Peut-être un peu dangereux en vrai, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a en face. Ok, c'est parfait. Je vais d'abord heal. Je vais d'ailleurs me mettre là pour heal. Et là, attention, il m'attaque pas de tout là-bas, il m'attaque pas. Ah ouais, lui, il doit faire un giga tour. Ouais, du coup, on va même avancer de 1. Hein. J'ai peur un peu d'au-dessus là. Je vais le mettre ici plutôt. Je veux pas que tu m'infuses maintenant. Le Pégase. Ah, je sais pas ce qui se passe là-bas. On va le mettre avec les autres poteaux. Bander. Backup. Ok, next. Ça, c'était prévu. 16 de dégâts, ça ne tuera pas. 23 de précision, jamais me touche. Parfait. C'est Lille qui carry. Hein. Par contre, Céline, elle reviendra jamais. Bon, c'est pas grave. 21. Ah putain, il m'a poison, du coup, ça c'est chiant par contre. Tant pis. Il y en a un autre. Hein. Bah là, il faut clairement. Non, pas grand sacrifice. Il faut tuer avec Flash. Et aller dans le buisson. En haut. On va fusion, comme ça si jamais je me fais attaquer de l'autre côté c'est pas grave. Et on utilise bien sûr Mercurius, qui me permet de gagner ma XP. 5% de précision, là on est très bien. Oh! Putain, il m'a esquivé un coup ce con. Niveau 10, je suis un peu plus forte. PV, défense, chance, c'est parfait. Ok, là on voit qu'il y a lui mais c'est pas grave. Oh les flashs. C'est pas mal le flash aussi. Hein. Ok, je pense qu'il n'y a rien de particulier en bas. Là, il y avait des bonhommes, mais je pense qu'ils ont avancé, non? Est-ce que j'allume ça ou est-ce que je monte dans le buisson? En vrai, lui, il va aller en bas. Et lui, il va monter ici. Je sais pas ce qu'il y a en fait. Ah, bonjour. Le problème c'est que la hache est faible contre la lance hein. Est-ce que... Ah je tuerai pas la lance d'acier. Bon, après on peut les laisser se friter eux deux hein. On s'en fout hein, à vrai dire. Et merde, elle est trop loin pour heal, j'ai un peu fait nimp. Ah mais je vais pouvoir heal Vander, ouais. Ça serait bien que je heal avec lui plutôt. Pour l'XP. On pense à XP. Comment il va?
Ok, est-ce que je gagne ma stat? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Plus de magie, plus de vitesse, plus de résistance, plus de chance. Lui, il va venir m'attaquer là. Il a une épée, j'ai une lance. J'ai pas peur en vrai. Hein. Y a rien là sur le côté. Hein. Y a juste eux là-bas, mais... Y'a rien sur le côté, je pense. Hein. Est-ce que je fais un dernier Illuminati, là? Je pourrais voir au-dessus ce cas. Allez, vas-y. J'aurais détruit mon Illumina, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il y aura beaucoup de zones dans le noir, comme ça. Du coup, ça prend un niveau comme ça, c'est parfait. J'ai bien fait, quand même. Parce que là, on voit qu'il y a ça, quand même. Donc, du coup, on va se mettre ici. Surtout qu'il va casser ma... Il va la casser, mais c'est pas grave. On peut la mettre elle là, hein, en vrai. Hein. Ça peut être sympa d'avoir les deux. Louis, merci à toi. Bon, vous, malheureusement, vous allez être un peu out du fight maintenant. Et phase ennemie. Il a éteint ce que j'ai allumé, putain. Oh, il a évité. Eh oui, je suis dans les buissons. Ah non, même pas. Oh, le crit. 7% de crit, ça crit. Let's go. Dommage, j'aurais bien aimé que Boucheron tue. Bon là, 49% de chance de toucher. Il a touché hein. Ah, il m'a poison. Ah oui non, il m'a mis plus de dégâts parce que poison. Mais je me suis heal. Ouais. Ok, ça commence à être bientôt la fin je crois là. Il tuera pas hein. Et si j'y vais là? Ouais, on va faire ça. Ouah, wow, il tank tellement lui. Il va me mettre 16, ça finira, ça me tuera pas. Elle d'ailleurs. Son 14 précision, j'espère que je touche. La touche. Je pourrais pas aller heal là-bas en plus. Ah si, je peux. Je crois qu'il y avait personne en dessous, j'espère. Ah, normalement les deux survivent, il n'y avait pas d'archer. Par là. Enfin je crois pas en fait. J'en sais rien. On soigne, on en profite. L'XP avant tout. Non, Balito. Je sais pas s'il y a le méchant en face. Oh, où il est? Est-ce que j'ai cette case là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Vas-y, go. Juste, je vais le. Ah non, je vais encore le garder. Ok, je garde ça. Torche. Il n'y a plus que lui, je crois. Ok. Il n'y a plus que lui. Ah non! Oh bah putain, heureusement que j'avais pas un Pégase ici. Ça va, c'est lance contre épée. Ça devrait aller. S'il y en a qu'un. C'est bon. Très bien. Dommage, c'est que j'ai pas la range pour lui du coup. Je peux faire un bâton de soin d'ici. Hein. Non mais ça sert à... Ouais, si je peux le faire, mais ça sert pas trop. L'XP, l'XP, l'XP. Je crois que ça donne autant d'XP. Hein. Arigato gozaimasu. Je vais me mettre là. Ah, y a un mage là. D'ailleurs, il va venir me toucher. Ouh putain, peut-être prendre cher là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que lui il en profite pour tuer là? Ouais, c'est pas mal ça. On rappelle, faut qu'il XP hein, bûcheron.
J'ai quasiment gagné rien en XP, putain de merde. Voilà, attention à lui. Je peux faire un colère au cac, hein. Ça tue, hein. Parfait, ça. Juste, je veux aller bloquer là si jamais. Je sais pas, je préfère. J'ai peur. Je sais pas s'il va bouger, lui. Je vais mettre lui là, peut-être que ça dissuadera l'autre. Lui, il attaque avec quoi? Hachette. Donc on prend le javelot. Il avance doucement mais sûrement. Je soigne ça. XP, XP avant tout. On est bientôt sur la fin du stream puisque la fin de la bataille. Hop. Ça aurait fait une bonne bataille d'XP ça. Hein. Plus l'anneau. L'anneau il va être game changer vraiment. Là il bouge. Hein. Oh, il est 24 ce con. Hein. Sa race. Wouah. Mais attends, je vais mourir. Non, c'est bon. Wouah. C'était chaud là. Esquive. Ah merde, du coup je l'ai pas, putain, parce qu'il faut que je reste encore un cran là. Oh, il reste plus que lui, hein. Il a 25 de force ce con. La question c'est, est-ce que j'avance? Oui, est-ce que là je fais une attaque comme ça? Je mets que 4. Wouah, c'est pas fini, hein. Lui il va venir de derrière. Après elle, elle peut cure de loin. Je peux toujours cure de loin ou pas? Ah non, je peux pas. Ah ok, il y a que quand c'est actif par contre. Bon après normal. Hein. Ouais, l'augmentation c'est que quand c'est actif, mais normal en vrai. Je pense que là la technique, lui il va pas prendre de dégâts contre la hache. Enfin, il va pas prendre tant de dégâts que ça. J'ai juste un peu peur pour elle en fait. Mais normalement. Parce que si je fais ça, est-ce que c'est un one shot? C'est un one shot. Et il va pas me one shot l'autre, c'est impossible. Donc on peut faire ça, je pense. Faire ça. Attaque avec Libé. Épée fine, ça fait quoi? Bon, c'est beaucoup moins bien. Mon Libé plus 2 est très fort. J'ai 29 HP, elle me tuera pas. Je vais plus vite, il pourra pas m'attaquer deux fois. Par contre, lui, il faut qu'il back up. Putain, il peut venir m'attaquer jusqu'à là? La merde. Il peut tellement se déplacer, lui. Mouvement 4, mais il attaque de loin, c'est ça le problème. Mais on peut mettre Vendeur sur sa route. Lancer de hache. Ouais, on va mettre Vendeur sur sa route, ça va le bloquer. On connaît, ouais, c'est clair. La fois dernière aussi, c'était un putain de gars à la hachette. Eh ouais, tu fais quoi maintenant, bro? Eh ouais, parfait. Parfait, du coup je mets lui ici. J'ai pas besoin de le mettre trop loin. Attendez, elle, elle peut aller là. Ouais, parfait, donc lui, il va là. Il attend ici sagement. Il se fait heal. Non! Je suis un connard. En plus, il a un revive l'autre. Ouais, il a un revive. Hein. Je suis le plus grand. Bah, je vais, en vrai... J'ai 10 charges. Hein. J'ai 10 charges. Non mais en vrai, attendez. Bon, j'ai utilisé 2 charges pour rien, c'est pas grave. J'ai utilisé 2 charges pour rien, mais en fait, vaut mieux que je le mette loin pour qu'il se fasse heal par les deux. Si je le mets sur cette case, c'est parfait. Sur cette case.
7? Comment ça 7? Pourquoi t'as 17? La mage faut qu'elle avance hein, elle va le défoncer hein. Et en vrai je peux me mettre là mais tu me gardes. Mais non il va me défoncer. Il a écrit 7 charges. Ah ouais? Non. Quoi? Attends. Non je crois pas. Non c'est 7 tours. En bas à gauche c'est 8 charges. Et c'est 7 tours en haut à droite. En haut à gauche pardon. Du coup là j'ai utilisé 2 charges normal. Non non normal. Tout ce qui se passe ici c'est normal. La question c'est est-ce qu'il me tue là? Il a combien de vitesse? Il a 9. Parce qu'il a attaqué 2 fois lui. Et ouais parce qu'il a 4. Mais là j'ai 14 de vitesse. 14. Donc lui jamais 25. J'ai 5 de dev, 20, il me tuera pas. Je me mets là, peut-être qu'il m'attaquera, je sais pas, peut-être pas. On va voir. Par contre, toi, tu fuis très loin. Enfin, très loin, Attends, que je fasse pas n'impe. Non, c'est bon, il pourra pas m'attaquer de là. Non. Et le Pégase, bah le Pégase, pour l'instant, tu peux rien faire d'intéressant. On va se mettre là. Toi, tu peux peut-être essayer de revenir ici. Ok, voyons voir. Ouais, c'était le nombre de tours. Il attaque qui du coup? Il attaque Vander. Oh putain, mais même là, il met 2x14 à Vander. Il met 2x14 à Vander. What the fuck en fait? Eh, franchement, je mets un colère au cac. Le problème c'est que là faut que je le tue deux fois. Colère au cac, ça fait mal. Hein. Là je peux, avec les mages, je peux les tuer. Avec les deux mages. Mais est-ce que je le tue derrière? Est-ce que je le retue? Oh, elle le défonce. Hein. Ça fait 11 HP. Alors, faut que je fasse gaffe parce que je pourrais attaquer. Lui pourra attaquer de loin en vrai. Il met 10. Il pourra attaquer au-dessus aussi. Il met 11. Ça passe. Vas-y, mais par contre, faut que je finisse par les mages. Donc, on va plutôt faire. Attendez. Ah, c'est dommage que personne n'attaque en croisée d'aile. Ah, sinon là. Là, ça mettrait. Ça met encore plus de dégâts. Vas-y. Blam. Raté. Ça fait 19. Mage au cac. Ça tue. Il me touche pas. Il me touche. Un HP hein. Est-ce que je gagne full XP parce qu'il tue? Ouais je gagne max XP. C'est parfait. Revive. Bah elle a pas besoin de bouger elle en fait. À moins que je veuille attaquer encore au cas où. Avec lui, vas-y on va la faire bouger. Libération. Ah mais j'aurais dû faire un brise-garde d'abord. Je suis un connard. Personne n'aurait pris de dégâts. Bon c'est pas grave. Ça change pas grand chose en vrai. Par contre, on va juste récupérer ça avant. Petit arc, pourquoi pas. On va récupérer ça. Antidote. Et c'est tout. Et là. Colère, colère. Est-ce que je l'attaque à l'épée? Pas du tout. Hein. Colère, colère. Ça met pile 17. Hein. Putain, j'avais calculé que ça mettait pile 17. Après, au pire. Vendeur, il aurait pu lancer une hache. Bah voilà. Pensez que c'est ça la justice. Hein. Ah. 4 mobs pour tuer le boss. 4 personnes pour tuer le boss. J'ai récupéré talisman qui sert de résistance plus 2 à l'unité de manière permanente. Ta résistance, c'est la magie en plus. Hein. Donc, quelqu'un qui doit résister à la magie, on lui mettra. Peut-être. Soit on le met contre. Pardon. Soit on le met à Chloé.
qui est le Pégase, pour tanker encore plus la magie, vu qu'on sait qu'elle va prendre des dégâts magiques, vu qu'elle va attaquer les mages. Soit on le met à Louis, en lui disant, bah, comme ça, si jamais il prend un coup, il prendra 2 de moins grâce à ça, quoi. Je sais pas encore. Trop stylé ce fight. Trop trop stylé. On a une voleuse avec nous du coup maintenant. On a surtout la possibilité avec un bâton de heal de très très loin et ça c'est une dinguerie. Et du coup je sais pas si je vais la laisser à la voleuse ou pas. Ça permet à la voleuse de heal, c'est pas mal si elle est loin. Parce que la voleuse elle est pas censée être dans le fight. Mais en même temps ça peut être bien aussi à un des healers quoi. C'était le dernier nouveau. Vous devons une fière chandelle, Yunaka. Sans vous, on serait en train de se gratter le crâne au milieu d'un sanctuaire vide à l'heure qu'il est. Je ne peux suffisamment vous remercier. C'était rien, voyons. Je me demande qui l'a retiré du sanctuaire à la base. L'un de ces bandits, non? En fait, bah c'est elle, non? Qu'y a-t-il? Il faut que... J'avoue, pour être franche, je n'ai pas trouvé l'anneau, je l'ai piqué. Hein? J'avais besoin de liquidité et quand j'ai vu le sanctuaire, je me suis dit que j'y trouverais quelques objets de valeur. Je suis entré, j'ai entendu la voix de Mikaya et boum! Je tombe sur l'anneau qui me regarde avec ses petits yeux. Je me suis dit que je pourrais sans doute en tirer un paquet de ronds. Voilà, désolé. Je vois. Quand vous m'avez dit que vous étiez de la cour, j'ai paniqué et pour ainsi dire menti. Au fond, je vaux pas mieux que ce bandit. J'accepterai votre châtiment, quel qu'il en soit. Quel qu'il soit. Un instant, tu comptais revendre l'anneau? C'était l'idée. Mais alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu n'avais qu'à filer vers les collines au moment où le dragon divin te l'a confié. Dans le noir, nous n'y voyons goutte. Tu aurais pu aisément nous fausser compagnie. Mais non, tu as préféré risquer ta peau à nos côtés. Pourquoi? À cause de Mikaya. Quand elle s'est mise à parler, j'ai ressenti quelque chose d'impossible à réprimer. Comme si je devais l'aider à trouver le dragon divin. Inaka était d'une indubitable gentillesse à mon égard. En me demandant à ses côtés, en me battant à ses côtés, j'ai vu s'ouvrir une voie de lumière. Lorsque j'ai senti que son bron était de retour, je me suis éveillé et j'ai appelé dans la nuit. C'est elle qui m'a répondu. Elle s'est retrouvée mêlée à tout cela par ma faute. Yunaka n'a rien à se reprocher. Je comprends, ceci dit, elle nous a menti. En tant que prince, je n'ai pas tellement le droit de le laisser partir sans la punir. Oui, faites votre office, je suis prête à subir mon châtiment. Que diriez-vous de vous joindre à nous? Vous pouvez me le refaire? Nous avons entrepris un périple dont le but est de récupérer les anneaux d'emblème et de vaincre le dragon déchu. Je sais que c'est une requête exigeante, mais accepteriez-vous d'épouser notre cause? Qu'en dites-vous, Alfred? Cela vous semble un châtiment approprié? Il est parfait! Nos effectifs sont bien maigres. Une nouvelle recrue ne serait certes pas de trop, surtout une voleuse qui pourra voler dans les coffres et ouvrir les portes. Et Yunaka ne manque à l'évidence pas de talent. Elle sera un véritable atout dans nos rangs. Je ne vous décevrai pas! Merci à tous les deux! N'en parlons plus, et Yunaka, si je puis me permettre, coucou à vous! J'aurais compris comment utiliser ça. Coucou à vous aussi, votre divinité! Maintenant que tout cela est réglé, hâtons-nous de pousser notre route. Nous avons pénétré en Brodia, n'est-ce pas? En effet, Mère a envoyé une missive au roi de Brodia pour l'avertir lorsque nous avons quitté le château. Il doit nous attendre. Bien, le royaume des guerriers, j'ai hâte de le découvrir. Oh, on va y avoir fou guerrier! Ce qui est très très cool là, c'est qu'on a récupéré un arc long, ce qui fait qu'Eti va pouvoir attaquer d'encore plus loin. Et potentiellement servir dans chaque combat en dégâts de plus. Et ça c'est très 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 bien. Et on a récupéré Yunaka qui va servir hein, je pense, on verra. En fonction des terrains et tout. On avait avec Mikaya, donc dans l'opus sur Wii. Le compagnon, le personnage secondaire était un peu, était un voleur. Je sais pas comment il s'appelait. Et il était très stylé en vrai hein, parce que ça esquive, ça met des dégâts et surtout ça se déplace bien. Ça ouvre les coffres. Et ouvrir les coffres dans les batailles, c'est très 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 bon. Je l'envoyais tout seul avec un tank. Genre avec un vendeur ou un truc comme ça et il partait ouvrir les coffres avec lui. Un peu en protection. Oh le chien noir! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bientôt arrêter le live. Je vais juste finir cette zone et je vais retourner à Somniel. Mais je vais arrêter le live avant de faire tout le blabla Somniel. J'ai pas envie de me coucher trop tard, faut encore que je me douche, que je me pose, etc. Mais j'ai trop envie de continuer hein. Là. Clairement, si demain il y avait pas de réveil, ça partait en continuer. Mais malheureusement, il y a un réveil demain. Bien joué, Chloé. Céline, pardon. Putain, je les confonds.
Céline, elle a un carry le fight aussi. Hein. Avec la téléportation, ça a one shot le. Le mage derrière là. Le, pas le mage, l'archer. Derrière, elle se prend pas de dégâts par la. Par la. On va dire en live. Ouais, voilà, faut aller se coucher. Hein. Elle a one shot derrière le. Elle s'est pas fait toucher par le gars à la hache. On a bien joué l'XP là. Hein. En vrai, on a bien joué l'XP, je suis content. Je suis content, je suis content. En fait, j'ai même pas besoin de parler à tout le monde vu que j'ai les liens là. C'est trop communicatif. Tu m'étonnes. Ah non! Je pensais pas qu'il y aurait un truc. C'est qui? Oh, est-ce que. Eh hey. Hein? Veil? Vous êtes la jeune fille que j'ai rencontrée à Flora? Veil, c'est bien ça? Quoi? Oh, Alcora, quelle coïncidence de nous retrouver ici! Je suis heureuse de vous voir ici, vous êtes partie si brusquement la dernière fois, ça m'a prise au dépourvu. C'est celle qui l'a sauvée? Vous habitez dans les environs? Non, je suis seulement de passage, en fait, je cherche quelqu'un. Qui donc? Une parente, je veux lui parler à nouveau, coûte que coûte. C'est Mikaya peut-être? Vous avez été séparés, je suis navré pour vous. Il est si douloureux d'être séparé de sa famille. Avez-vous une piste? Aucune, je l'ai pas vue depuis mon enfance, je me souviens même plus de son visage. Mais elle m'a laissé quelque chose autrefois, ceci. Quelle pierre magnifique. Mon porte-bonheur, si je le conserve avec moi, nous finirons par être réunis. Je suis certaine, moi aussi. J'en suis certaine. Et non, n'oubliez pas de faire attention à vous, regardez, vous êtes blessé à la jambe. Oula oula. Ce genre de choses m'arrive tout le temps. Elle a des chaînes. Les sources semblent profondes, tenez, ça va. Ça devrait tenir un moment. L'image est trop belle. Merci, c'est gentil de votre part d'aider une parfaite inconnue. Ne m'êtes pas inconnue, auriez-vous oublié que vous m'avez sauvé la vie? Eh oui. Pour moi, nous sommes amis depuis ce jour et les amis s'entraident, c'est ainsi. Amis? Oh. Aurais-je un peu trop parlé? Non, je suis heureuse d'avoir quelqu'un que je peux considérer comme une amie, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que l'on m'a traité avec une telle gentillesse. Comment ça? Je suis navré, mais je dois y aller. Ah, vraiment? Merci pour le bandage, j'espère que nous nous reverrons bientôt, Alcora. Que nous reverrons. Très particulière, Veil. Et là, voilà qui file. A bientôt, Veil. What the fuck? Je ne sais pas. Le tome colère peut uniquement attaquer les ennemis adjacents, mais il fait mouche à tous les coups. Et ben, on l'a vu. Hein. On a utilisé double colère, là. Colère, colère. Colère, colère. Ça a fait mouche. Hein. Comme tu dis. Les mages sont forts. En fait, les mages sont rapides. Et les mages peuvent des fois double attaquer. Les mages sont très forts. Hein. On a des bons mages, là. Hein. Un point relais. Je ne sais pas ce que c'est. Un ticket relais. On va accéder aux archives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. Petite sauvegarde. On est sur combien de temps de jeu là? On est sur 9h54, quasiment 10h de jeu déjà. Hein, en 3 lives. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va arrêter là. Quitter. Je me mets ici. Je me mets la petite musique. Et puis voilà. On va se quitter tranquillement là-dessus. Attends, je vais juste mettre en veille la console. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit, tout simplement. Question fatidique. Ah, c'est quoi la question fatidique? Merci en tout cas d'avoir été sur ce live en attendant cette question. C'était giga cool, c'était trop bien. Forspoken est arrivé. Non, Forspoken n'est pas arrivé. Mais de toute façon, on fera Forspoken après Fire Emblem, quoi qu'il arrive. Mais Forspoken n'est pas encore arrivé, mais il arrive. On m'a dit, j'ai reçu un message aujourd'hui de la part de c'est quoi ce Chronopost, je crois. Livraison au plus tard le 26. Bon, c'est demain. Donc ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Mais heureusement que j'attendais pas le 24, le pile le 24. Hein. Sinon j'aurais eu le seum. Genre Fire Emblem, j'ai cru que j'allais pas l'avoir le 20. Alors qu'il sortait le 20, j'aurais eu le seum de pas l'avoir. Et en fait je l'ai eu. Or, Spoken, c'est pas grave parce qu'on a Fire Emblem justement. Check this out. Bow. Bref, mesdames et messieurs, on va pas faire long feu. Je vais tout simplement vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir été là sur le live. C'était giga cool. Moi j'adore le live Fire Emblem. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais moi j'adore cette franchise. Je me balade, je peux discuter très facilement avec vous. On peut parler un peu technique, on peut parler stratégie. Et voilà. Allez, un cinquième du jeu fait à peu près. Sur Fire Emblem, je sais pas s'il y a déjà le How Long to Beat. 50 heures. Alors je pense pas qu'il fera 50 heures en vrai. Quoique, c'est long, hein, Fire Emblem. Hein. C'est long, hein. 31h30.
Le main story. Le How Long To Beat est en 31h30. Le main plus extra est à 50h. Sachant que si on fait à chaque fois les escarmouches et les trucs, en effet, on sera peut-être pas loin des 50h. Et j'ai pas les DLC, parce qu'il y a les DLC. Hein. Il y a déjà des DLC. Et du coup, là, il n'y a pas le temps des DLC, je pense. Donc on verra. Ouais, on a peut-être fait un cinquième dans l'idée. C'est peut-être dans ces eaux-là. Je pense qu'on sera autour des 45... Entre 30 et 45 heures, ça sera une belle fourchette, je pense. Entre 35 et 45 heures, je dirais, dans l'idée. Donc ouais, on a fait un petit bout, mais il en reste encore pas mal. Et là, on a fait des petites batailles. Après, il y aura des giga batailles. Là, elle était pas... La première bataille était beaucoup plus dure que la deuxième. Mais on l'avait vu, c'était normal. Mais c'était très, très, très stylé. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente nuit, mesdames et messieurs. Je m'attarde pas trop. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve samedi pour la suite de Fire Emblem. Ciao! Et bien sûr, j'avais l'habitude, mais... Vous êtes les meilleurs! Let's go!